Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live où je suis avec Agathe, Travel Planner. Alors Agathe, peut-être que tu peux... Ouais. On se trouve. Salut. Trop chouette. Du coup, bienvenue. Tous, je ne sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des hommes parmi vous. Plutôt rare dans les métiers du voyage. Plutôt rare aussi dans les participantes à nos lives. Mais bon, en tout cas, messieurs, si vous êtes présents, bah, soyez les bienvenus également. On va vous laisser arriver un petit peu tous. Il y avait 40 personnes inscrites pour le live. Donc, par expérience, je sais que tout le monde ne participe pas. Mais du coup, si vous êtes inscrit, vous aurez aussi accès au replay qui sera diffusé sur YouTube, comme d'habitude. Du coup, comment ça va se passer? On va commencer par échanger ensemble avec Agathe. Je vais lui poser quelques petites questions sur son métier, puisqu'elle s'est lancée comme travel planner cette année, en 2023. Elle va nous parler de son parcours. Et puis, à la fin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre caméra si vous êtes à l'aise. C'est toujours un peu plus sympa pour nous de voir qui pose les questions. Évidemment, allumez votre micro à la fin au moment de poser vos questions. Et également un chat si vous êtes plus à l'aise sous ce format-là. Ça te va, Agathe? Ouais, c'est parfait, je suis prête. Bon, bah, c'est cool. Je vais enlever mon partage d'écran. Attends, comment je fais? Partager d'écran. Arrêter le partage. Et comme ça, on va te voir un peu plus nettement. Ok, super. En plus, moi, je te vois mieux comme ça, c'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement aux internautes? Moi c'est Agathe, je viens d'avoir 29 ans, je suis originaire de Bretagne et les dernières années, avant de me lancer en tant que travel planner, je travaillais pour le groupe Accor Hôtel qui détient la marque Jo & Jo. Donc je travaillais dans les Landes à Osgore, donc ambiance surf, plage, etc. Là-bas, je gérais les groupes, l'animation, la réception. J'ai fait 3 ans là-bas et après ça, j'ai fait une petite pause de voyage et voilà, je me suis lancée dans l'aventure de travel planner. Ça, c'est la version vraiment courte des dernières années. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rapidement sur le métier précédent. Jo & Jo, tout le monde connaît pas forcément la Voilà. marque. Alors, la marque, en fait, c'est chez Accor, il y a plein, plein de marques. C'est un énorme groupe, hein. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Et du coup, ils ont développé une marque qui s'appelle New Lifestyle. Et dedans, il y a les hôtels un petit peu plus modernes, jeunes, avec la tendance de rassembler les locaux avec les voyageurs. Donc, ça n'avait rien à voir avec un hôtel traditionnel. Là-bas, on tutoyait nos clients, on accueillait des groupes, des mariages, mais aussi des backpackers, des familles, des couples. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de gérer la réception, de gérer les groupes. Enfin, voilà, c'est très varié et polyvalent comme tout travail dans l'hôtellerie. Ça t'a déjà fait une première expérience dans le tourisme, du coup? J'avais déjà travaillé auparavant dans une auberge de jeunesse. J'étais assistante manager parce que ça découlait de mes études, du coup, en tourisme et en hôtellerie. Ouais, t'as fait tes études, du coup, t'as fait quoi, un BTS tourisme? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors mon parcours d'études, il est un petit peu, enfin, un petit peu particulier parce que moi, j'ai fait école de cuisine. Après, j'ai pris une année de césure pour voyager en Nouvelle-Zélande. Je suis revenue, j'ai repris mes études en école de commerce parce que je voulais avoir le champ des possibilités ouvertes pour faire ce que je veux après. Et après, par la suite, du coup, j'ai intégré Subdeco La Rochelle qui a une section spécialisée en tourisme et management. Et Yes. du coup, j'ai eu l'occasion d'intégrer cette école et de faire de l'alternance. Et voilà comment je suis arrivée dans le milieu du tourisme. Mais tu sais que c'est trop marrant parce que, alors, j'ai failli intégrer. En fait, j'étais admise dans cette école en 2010. En fait, Ouais. j'avais passé, moi, j'ai fait un DUT TC, technique de commercialisation. Et en fait, j'ai voulu passer le concours Passerelle. C'est un concours qui permet à des gens, à des étudiants qui ont un bac plus 2 d'intégrer des écoles de commerce. Et du coup, j'ai fait tout un tour de France. Enfin, y a des écrits, tout ça. Puis après, j'étais admise à l'oral. Et en fait, je suis allée dans cette école, et notamment à La Rochelle. Et en fait, j'ai bien réussi l'oral. J'avais eu 18, quoi, tu vois. Donc, et en fait, à l'époque, je m'étais dit, ah ouais, mais non, moi, le tourisme et l'événementiel, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Comme quoi, tu vois. Mais comme quoi, mais tu sais, en fait, j'avais l'image, je me disais, ah non, mais je m'imaginais qu'en fait, la seule façon de travailler dans le tourisme, c'était de bosser dans des agences de voyage, et j'imaginais Bah ouais, vieux c'est trucs souvent la poudreux, tu vision, vois. c'est ça.
C'est souvent la vision que tout le monde a, mais maintenant l'école, ils ont, c'est vrai qu'ils sont très réputés là-dedans et puis c'est hyper diversifié, quoi. Ouais. Ah, c'est clair, ouais. Mais tu vois, maintenant que j'évolue dans le tourisme depuis quelques années, bon, je vois que c'est un vieux truc poussiéreux, mais c'est vrai que c'est marrant, du coup, je savais pas, tu vois, que tu avais fait cette école et trop Mais cool. à refaire, je ferais plutôt un BTS tourisme pour que ça soit gratuit et intégrer en passerelle la troisième année pour faire de l'alternance. Comme ça fait une scolarité gratuite et avec un diplôme d'une belle école, quoi. Pour Ouais, les c'est gens ça. qui n'ont pas trop les moyens, c'est vraiment le bon plan de faire ça. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant parce que ouais, une école de commerce, c'est quand même pas donné. Ouais, Il y a des non, goûts. c'est ça. Ok, ouais, donc tu as déjà un parcours qui était quand même assez orienté tourisme, les études, tu as voyagé, du coup tu nous as dit Nouvelle-Zélande, trop cool. Ouais, j'avais fait Nouvelle-Zélande, puis j'ai commencé à voyager très tôt. À mes 16 ans, je suis partie aux États-Unis. Je Toute m'étais seule. débrouillée pour trouver une famille pour partir toute seule parce que mes parents n'avaient pas les sous de me payer un organisme. Du coup, j'étais déjà dans la débrouille du voyage, quoi, depuis longtemps. Ouais, Chouette, donc c'est vraiment un peu bah, comme une vocation, en tout cas une passion, quoi. c'est ça. C'est vraiment une passion. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un job salarié à entreprendre, devenir entrepreneur avec un E, Oui, simplement. alors bah, quand je suis rentrée de ce voyage en Nouvelle-Zélande, en ma tête, je faisais déjà une école de commerce pour plus tard entreprendre. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment l'idée de... À l'époque, je voulais monter une auberge de jeunesse, mais j'étais déjà dans cette idée de monter mon propre business. OK. Et après, chez Accor, bah, c'était génial comme expérience. Mais c'est vrai que bah, malgré tout, le fait d'être dans un groupe, d'avoir des contraintes, de ne pas pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Je pense que je suis quelqu'un aussi très créative et du coup je me sentais un petit peu opprimée dans ce milieu. Et du coup c'est vrai que au début je voulais me lancer pour uniquement faire du coaching pour les jeunes qui sont un petit peu paumés, qui veulent partir à l'étranger et qui savent pas trop comment s'y prendre parce que j'avais eu beaucoup d'expériences comme ça moi en étant plus jeune. Ouais. Et le fait d'étudier en tourisme à La Rochelle a fait que bah, je me suis dit, je vais prendre la double casquette de création de voyage et d'accompagnement pour les jeunes. Du coup, voilà, je me suis lancée comme ça. Je me suis dit qu'il fallait quitter son job pour vraiment se lancer à fond. J'ai eu Ouais. l'occasion de faire une rupture conventionnelle, donc forcément, ça aide aussi pour se lancer. Ouais, du coup, tu as pu bénéficier de l'assurance chômage et c'est Ça. vrai qu'on est un peu plus serein, sereine, du coup, quand Oui, on... c'est ça. Sinon, j'aurais clairement pas pu me lancer. Peut-être Parce que que... t'aurais fait ça du coup en complément, comment C'est t'aurais ça. C'est en ça, je pense que j'aurais... Ben, en fait, à la base, je voulais le faire en parallèle de mon travail, mais je me suis vite rendu compte qu'en travaillant dans l'hôtellerie, c'était compliqué parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, j'ai un peu abandonné cette idée. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, donc j'ai quitté mon CDI, quoi. Ok, t'as ouais, tu t'es lancé, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Hein. C'est C'est ça. vrai On que ouais. sautait les deux pieds dedans, quoi. Ouais. Il faut oser se lancer, c'est normal en fait. Au début, on se pose plein de questions. Enfin, en fait. La personne qui ne se poserait pas de questions, ça serait quand même un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Du coup. Financièrement, on est obligé de toute façon de se poser des questions. Après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une philosophie. Et enfin, moi, ça me fait pas peur en fait de rebondir, d'aller dans l'inconnu. Je sais qu'il y a des personnes, ça les effraie beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup changé de voie dans ma vie, donc ça me fait jamais très peur de changer quoi. Ouais. Et puis c'est comme ça justement qu'on apprend, on peut s'enrichir aussi Ouais, c'est ça. des différentes expériences du parcours. Trop chouette. Exactement. Et du coup, à partir de quel moment tu as décidé, parce que là, tu as lancé ton activité en janvier officiellement? Alors, officiellement, je l'ai lancé un peu avant. Je l'ai lancé en... En fait, j'avais déjà déclaré le statut auto-entrepreneur en 2020, donc ça date. Ah Mais je ne l'ai jamais utilisé. Chose d'accord. qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, Non. s'il y en a qui veulent se lancer, parce que du coup, j'ai perdu l'ACRE. Donc, Ouais. c'est pour ceux qui ne savent pas, l'ACRE, c'est ce qui nous permet de ne pas payer les cotisations sociales pendant 2 ans. Ouais. Donc, autant vous dire que ouais, c'était compliqué. Enfin, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment, je me suis dit, bon, bah, erreur de débutant, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment lancé mon activité là en septembre. J'ai lancé mon site internet, enfin septembre-octobre. J'ai Ok. eu mon premier client test au mois de novembre, mais vraiment depuis janvier, on va dire que c'est le vrai lancement, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles client test? Bah, disons qu'en fait, je venais de lancer mon site, mais j'avais préparé aucune campagne de communication. Enfin, c'était vraiment, j'ai fait une vidéo sur Instagram, un petit montage, etc. Mais c'était vraiment. C'était pas, j'avais rien de concret. Ok. Et puis, je me rends chez mon médecin, il me dit qu'il part en Nouvelle-Zélande et je lui dis, ah bah, je viens de lancer ma boîte, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je lui ai dit, je fais, écoutez, s'il vous plaît, je vous organise tout. Si vous êtes satisfait, vous me rémunérez. Et sinon, bah, vous me direz ce qui ne convenait pas.
Puis au final, ça s'est très, très bien passé. Donc ça, c'était mon premier client, on va dire, pas vraiment avec le vrai devis, la compte, le paiement à la fin, quoi. Il t'a rémunéré ou pas? Il m'a rémunéré, ouais. Il m'a J'allais rémunéré. dire quand même, Ouais, quand même. Mais surtout que c'était du boulot, hein, 3 semaines de road trip en Nouvelle-Zélande. Ouais, et justement, à titre indicatif, ça t'a pris combien de temps à organiser, si tu peux à peu près doser le Alors timing? là, c'était vraiment du last minute parce qu'ils partaient 10 jours après, à peine. Ils avaient déjà leur vol et loué le camping-car, donc fallait vraiment. En fait, là, c'était vraiment différent parce que le but était de leur trouver plein d'aires de camping-car, enfin d'aires de camping, soit sauvages, soit payantes. Donc là, c'était un énorme travail de recherche. Et du coup, du moment où j'ai eu la demande jusqu'à la finalisation, ça m'a pris une semaine, quoi. Mais à fond parce que c'était un énorme voyage, quoi. L'itinérance, c'est clair que ça prend énormément de temps Ça prend parce que beaucoup. justement, il bouge à chaque fois. Alors en Australie, c'est quand même. Ah, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais Ouais. est-ce que c'est aussi le pays de la van life, la Nouvelle-Zélande, autant? Ouais, c'est aussi la c'est vraiment aussi le pays de la van life. Après, là, eux, ils avaient un gros camping-car, donc en plus, il fallait prendre en compte les routes pour voir si c'est accessible. Donc, si tu veux, c'était beaucoup, beaucoup de paramètres, mais je me suis dit que je pouvais pas avoir pire, on va dire, comme premier client, et que du coup, bah, après, j'étais rodée, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, donc là, tu as lancé donc, ton premier client test en novembre. Ça. Ça t'a conforté dans ton choix de Complètement. lancer. Oui. C'est-à-dire que je pense que tout freelance vit ça. C'est-à-dire dès qu'on a des clients, on est trop content, on se dit ça y est, c'est parti et tout. Et dès qu'il n'y en a plus, on se dit oh mon Dieu, il faut que je reprenne un travail salarié. Et en fait, c'est un petit peu le système. Enfin, je pense que c'est la vie des freelances, mais surtout au début, on stresse. Mais moi, ça m'a vraiment conforté dans le fait que j'aimais faire ça. Et que c'est trop satisfaisant de voir ses clients partir, de se dire que c'est nous qui avons tout organisé. Enfin, je trouve ça trop chouette. Du coup, c'est quoi qui te plaît le plus jusqu'à présent? Parce que bon, là, c'est novembre, on est début avril, ça fait en fait, bon, allez, 4 mois d'activité. 4 mois, ouais. Bah, pour le moment, moi, ce que j'aime, c'est montrer aux gens qu'on peut voyager un petit peu différemment. J'adore l'échange que j'ai avec mes clients. Jusqu'à présent, j'ai eu des clients géniaux. Et vraiment, le fait de. Souvent, ils me donnent carte blanche. Donc, le fait de pouvoir leur conseiller vraiment des adresses que j'estime éco-responsables ou engagées, ça, c'est trop chouette. Et après, sur d'autres destinations comme là, l'Ouzbékistan que je viens de faire, c'est génial parce que, même si c'est le casse-tête parce que je connais pas la destination, etc., j'apprends énormément de choses en fait. C'est un métier, je trouve, on s'enrichit tellement, quoi. Donc, ça, c'est ce qui me plaît. Ouais. Justement, au niveau des destinations que là tu as choisi de conseiller, en tout cas d'accompagner sur les projets de voyage, est-ce que c'est des destinations? Parce que ça, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce Oui, qu'il faut bah oui. connaître la destination dans laquelle les Alors, clients souhaitent partir? C'est quoi, toi, ta position, ton avis là-dessus et comment tu t'y es pris? moi, pour l'instant, je fais toutes les destinations qu'on me demande parce que mon positionnement, il est déjà en slow tourisme. Donc, souvent, on dit soit on se positionne sur des destinations, soit on se positionne sur un type de client, enfin, sur un segment type, soit on fait les deux en même temps, mais du coup, on restera encore plus. Pour l'instant, j'ai décidé de faire toutes les destinations. Autant dire qu'à terme, je vais arrêter de faire ça, je pense, parce que c'est beaucoup trop de temps. Là, l'Ouzbékistan, j'ai adoré le faire, mais à la fin, franchement, ça me faisait vriller parce que c'est un pays qui n'est pas encore très développé touristiquement. Et en fait, vaut mieux passer par des agences locales, clairement, que par un travel planner pour ce type de voyage. Donc, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vrai qu'à terme, je pense que je vais faire les destinations où j'ai vécu et où j'ai voyagé. Pour l'instant, sur mon site, je les ai mises, mais ce n'est pas encore tout à fait à jour. Mais c'est vrai que moi, j'ai à peu près une quinzaine de destinations, donc ça fait déjà pas mal. Et souvent, c'est les destinations qui sont demandées par les gens, donc, comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, enfin, Thaïlande, Cambodge, le Mexique, le Canada, les États-Unis et l'Europe, c'est des destinations qui sont demandées, quoi. Donc, Et du coup, tu as choisi ces destinations parce que c'est des destinations que tu connais? ouais, c'est ça. C'est des destinations soit dans lesquelles j'ai vécu, donc comme le Canada, j'ai déjà vécu là-bas plus d'un an, la Nouvelle-Zélande,
enfin voilà, ou des pays où je suis restée longtemps. Le Maroc, le Mexique, c'était pas juste des petits voyages d'une semaine ou deux en mode vacances. C'était vraiment, je suis restée plus d'un mois. Et donc, c'est des pays que je connais bien. L'Afrique du Sud, j'y suis restée 2 mois. Donc, ça, c'est des destinations que je propose aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a pour toi comme, en fait, peut-être difficulté à organiser un voyage dans une destination que tu ne connais pas? Ben, je pense que quand on ne connaît pas la destination, après, je pense que ça dépend des travel planners. J'ai vu comment certaines travel planners travaillent et comment moi je le fais. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je m'imprègne de la destination pour vraiment leur trouver les petites adresses. Et Ok. si on veut sortir des sentiers battus, il faut forcément se renseigner à fond sur la destination. Et quand on ne connaît pas la destination, eh ben, ça veut dire qu'il faut passer énormément de temps à lire plein de choses, en fait, que ça soit de l'histoire, la culture, l'économie. Et en fait, tout ça, bah, ça prend vachement de temps, quoi. Et je pourrais très bien aller aussi sur Google, itinéraire type, et leur ressortir le même. Et mais en fait, c'est pas ça l'intérêt, quoi. Donc, C'est sûr, ouais. Un peu limite donc, quand même. Alors moi, ne faites pas voilà, ça, voilà. ouais. Vous voulez être un mauvais travel planner, faites ça sinon. Faites ça, ouais, faites absolument pas ça, quoi. En plus, le client, il va le voir. Même si à la fin, votre itinéraire va forcément se rapprocher de ce que tout le monde propose parce qu'il y a forcément des immanquables que les clients veulent faire. Mais ce qui est important, c'est de leur montrer aussi, bah voilà, j'ai cherché ça, bah attention, dans telle ville, il n'y aura que des resorts, il n'y aura pas de petit hébergement. Il faut leur montrer en fait que vous cherchez et sur une destination que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Tu connais pas forcément les particularités. Ouais. En Europe, je pense que ça va. Hors Europe, ça devient vraiment complexe. Ouais, c'est sûr. Donc, Et du coup, au niveau des clients que tu as réussi à... Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Est-ce qu'ils sont devenus toi? Comment ils t'ont connu? Alors, mon premier client, donc, c'était bah, mon médecin. Donc, voilà. Mais ça, franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est les commerçants qui vous entourent, c'est-à-dire que votre coiffeur, le supermarché, enfin, tout ça, c'est des clients potentiels qu'il ne faut pas négliger. Et après, ben, j'ai eu la chance d'être passée, j'ai été publiée 2 fois dans la presse locale, dans des journaux qui ont quand même une grosse ampleur, comme le Ouest France et le Télégramme en Bretagne. Et du coup, ils m'ont publié gratuitement et ça m'a apporté tous mes clients jusqu'à présent. C'est ce qui me rapporte encore aujourd'hui des appels clients. Et grâce en fait à ces articles-là, vu qu'ils ont fait des articles avec mon lien de site internet, ça m'a permis de remonter dans les recherches internet. Et aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui me trouvent en fait d'eux-mêmes sur internet. Donc ça, c'est hyper satisfaisant parce que c'est compliqué d'être bien référencé. C'est clair. Et surtout que je n'ai pas fait un travail dessus pour l'instant. Enfin, mes articles WordPress, ils sont référencés, mais je n'ai pas encore de blog, etc. Donc, pour moi, le référencement, il n'est pas encore en place. Mais du coup, voilà comment j'ai mes clients pour le moment. Top. Voilà. C'est vrai que le site internet, c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Alors, en tant que travel planner, mais en fait, dans n'importe quel métier, on entend un peu tout et n'importe quoi parfois sur bah oui, le site internet, le blog, c'est mort. Ouais. J'en parle dans la formation parce que bon, moi, j'ai un site internet avec Apitrek, c'est pas mon Ouais. premier. Et du coup, je vois que bon, en fait, quasiment toutes mes demandes de clients, que ce soit maintenant en tant que travel planner et avant quand j'avais l'agence, ben, en fait, ça vient par le web. Ben ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est Instagram, ça va aider sur ben, partager ton image de marque, ça va t'attirer peut-être voilà, quelques personnes intéressées par le voyage, mais c'est clair que le site, il ne faut pas le sous-estimer, mais comme tu l'as dit, en fait, ça. Ouais. Et Bah, c'est-à-dire ouais. que le site, en fait, avant de me lancer, j'avais fait une formation pour apprendre à se lancer, justement. Mais bon, au final, j'ai fait cette formation, c'était pas le bon moment dans ma vie. Mais eux, ils conseillaient de ne pas faire de site internet Ouais. parce que c'est vrai que c'est un coût, sauf si vous vous débrouillez bien et que vous le faites tout seul sur WordPress, mais en général, c'est un peu casse-tête. Et moi, j'ai fait ce choix d'investir financièrement dans un site. Parce que je trouve que travel planner, c'est déjà un métier qui n'est pas connu. Les gens, ils ont du mal déjà à comprendre ce que c'est. Donc, c'est important d'avoir un lieu, enfin, une page où ils peuvent vraiment lire le fonctionnement, vraiment s'imprégner des valeurs aussi de chaque travel planner. Chaque travel planner se présente différemment. Et du coup, moi, pour l'instant, le site, ça m'a été super utile parce que j'ai une page aussi pour que les gens prennent des rendez-vous téléphoniques. Et ça, franchement, c'est super pratique.
C'est clair, et ça donne de la crédibilité. Enfin, Complètement. j'avais vu justement un chiffre qui était quand même assez parlant. Je crois que c'était peut-être 70 ou 75% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête disaient qu'en fait, elles avaient plus confiance dans un professionnel qui avait un site web que quelqu'un qui n'en avait pas, quoi. Donc, Bah, ouais. complètement. En Ouais. plus, sur un site, si c'est fait, après, il ne faut pas le faire n'importe quelle façon. C'est-à-dire, moi, mon site, il est vraiment, il y a les mentions légales, les CGV, enfin, il y a plein de petites choses où on n'est pas forcément au courant que c'est obligatoire légalement, en fait. Et si tu veux, moi, mon site, quand il est sorti, vu que je suis passée par une graphiste, j'ai fait une formation avec une amie qui est graphiste en éco-conception, mon site, eh ben, l'identité visuelle, elle correspondait à tout mon univers. Donc, ça montre un professionnalisme et ça rassure les clients énormément, quoi. Donc, c'est sûr. En parlant de mention légale, Oui. alors il y avait un sujet quand même que j'avais envie qu'on puisse aborder. Et ce qui est, alors, le mot marrant n'est pas approprié à la situation, mais en fait, dans la Oui. formation que j'ai reçue autour du métier de travel planner, il y a une avocate, qui est une avocate spécialisée en droit du tourisme, qui intervient. Donc, je l'ai contactée pour qu'elle puisse donner des cours, justement, pour parler de la réglementation. Et en fait, quand on a échangé ensemble, c'était en février, elle me dit, bah, tiens, justement, j'ai reçu un mail ou un courrier d'une travel planner qui a eu une dénonciation par une agence de voyage, et voilà, faut que je me mette sur ce dossier. Bon, évidemment, en tant qu'avocate, elle m'a pas dit qui c'était, quoi. Normal. Et du coup, quand on a échangé ensemble pour préparer l'interview, tu m'as dit, bah, en fait, ouais, j'ai eu un problème avec une agence. Donc, tu vois, c'est marrant, le monde est petit. Ben oui, c'est ça. Tu peux nous parler, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, parce que tu t'es lancée, en fait, en novembre, c'est quand même vachement récent, et il y a Ouais. déjà des agences qui t'ont embêté. Bah alors, donc, pour remettre dans le contexte, sur mon site internet, j'ai une page qui correspond à mon activité de travel planner, donc vraiment l'organisation du voyage. J'ai une page pour le coaching en départ en césure pour les jeunes et j'ai une page sur l'éco-volontariat en Afrique du Sud. Cet éco-volontariat, c'est un programme que j'ai testé moi-même en mai dernier. C'est un programme super éthique, engagé, mais c'est une toute petite association qui n'a pas beaucoup de visibilité. Et ils m'avaient proposé de faire comme un partenariat avec eux quand j'étais là-bas parce que ben, moi, je trouvais que c'était un programme incroyable et que je voulais le mettre en valeur. Donc, sur mon site internet, je prépare ma page, trop jolie, et je présente tout le programme. Et c'est vrai que le programme ressemblait à une offre packagée. Donc, ça, il faut faire attention, je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup, c'est vrai que je ne marquais pas le nom de l'association. Et du coup, à la suite de ça, je reçois un courrier de. En fait, c'est le syndic des agences de voyage. Les EDV, là, les Ouais, entreprises c'est de ça. voyage. Qui m'écrivent. Donc, moi, je tombe des nues en recevant ça, quoi. Qui me dit, voilà, votre activité est illégale, blablabla. Et là, en fait, ils me mettent en gras que c'est la page éco-volontariat en Afrique du Sud. Donc, au début, je flippe. Après, je me dis, bon, ça va, c'est que cette partie-là qui les dérange. Donc, je contacte cette avocate qui fait partie de la formation de vie divine là, et qui me dit qu'effectivement, légalement, ça pose problème parce que ben, voilà, cette page n'indique pas le nom de l'association et j'ai dû. Enfin, comment dire ça? En fait, légalement, c'est impossible de faire de la pub pour une association qui n'a pas une assurance française, les fonds ne sont pas sécurisés. Enfin, bref, le syndicat commençait à me prendre la tête et ils m'ont demandé de supprimer la page. Donc moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux changer les choses pour toujours mettre en valeur ce programme? J'ai décidé de garder la page et au lieu de présenter le programme comme inscrivez-vous, c'est génial, j'ai fait un retour d'expérience, c'est-à-dire j'ai raconté tout mon mois dans le volontariat et j'ai marqué contactez-moi si vous voulez plus d'infos. Mais tout ça pour dire que, y a un peu une chasse à la sorcière sur les travel planners, du côté des agences de voyage. Et c'est vrai que moi, ça m'est tombé dessus très tôt. Mais en fait, ça m'est tombé dessus parce que, les articles dans le journal qui sont parus en mois de janvier ont fait énormément de pubs. Il y a eu des centaines et des centaines de vues sur LinkedIn, dans l'Ouest de France. J'ai eu beaucoup, beaucoup de passages sur mon site internet. Et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Au final, j'ai eu de la chance, ça s'est bien fini, mais. Ouais, c'était un peu touchy, quoi. Ouais, j'imagine, ça doit être un peu stressant de recevoir un courrier d'avocat. Enfin, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, pas pour le même
Pas pour la même histoire, pas, peu importe, mais ouais, déjà, ça fait chier. Ça fait chier, ouais, c'est vraiment ça. Bah, en fait, c'est surtout que moi, j'ai pas fait de. J'ai fait du droit du tourisme, mais j'estime que mon activité, elle est hyper dans les clous. Il y a plein de travel planners qui se lancent sur Instagram qui n'ont même pas de statut auto-entrepreneur. Moi, j'ai fait tout dans les règles pour le coup. Je déclare tout à l'URSSAF. Et là, quand on reçoit ça, c'est sûr que c'est vraiment embêtant. Donc, c'est juste que voilà, il faut faire attention si vous voulez vous lancer à pas proposer d'offres packagées. Même si vous encaissez pas la somme pour le voyage, faut pas que vous donniez l'impression de vendre un package. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste l'apparence en fait C'est qui ça. compte. En fait, c'est ça. En fait, il ne faut pas. C'est à partir du moment où tu offres à la vente un voyage, donc un voyage, c'est un assemblage de deux prestations minimum qui dépassent 24 heures, et bien là, en fait, tu es obligé de t'immatriculer. Et du coup, alors moi, tu vois, ça m'arrive de créer des voyages packagés, mais pour le coup, comme je n'ai plus mon statut d'agent de voyage, j'ai décidé de ne plus l'avoir en octobre dernier, et bien en fait, je collabore avec des agences. Par exemple, j'ai organisé un mountain trip, un séjour à la montagne entre Nana en janvier, et c'était clairement marqué sur le site que ben, en fait, j'étais en collab avec telle agence, tu vois, donc là, ça passe. Mais c'est Merci. sûr, tu vois, des trucs du style aussi, bah, tu vas créer une page Facebook ou quoi que ce soit, bah, mettre agence de voyage, ça peut porter à confusion. Ouais, Et faut pas mettre ça, en fait, déjà, ça peut porter à confusion. Le client, en fait, peut être un peu trompé, se dire, OK, bah, moi, je pensais que c'était une agence, mais ce n'est pas le cas. Et puis, vis-à-vis de la loi, parce que c'est sûr qu'en tant qu'agence de voyage, bah, en fait, une agence a beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre en fait. Le travel planner a ses avantages, l'agence a les siens en fait davantage. C'est deux choses différentes qui répondent à deux besoins différents en termes de voyage, d'accompagnement, etc. Mais du coup, c'est sûr qu'en étant agence, ben, il y a une responsabilité qui est lourde. Donc on peut comprendre aussi, c'est un petit peu comme les taxis Uber quoi, en fait. Les taxis au pays, à l'essence, c'est cher. Donc du coup, tant mieux que pour toi, ce soit bien terminé. Ouais, c'est ça. Et c'est important du coup pendant le live qu'on parle un petit peu de ça, que tu nous racontes voilà, à cœur ouvert bah, cette mésaventure parce qu'effectivement, le métier travel planner, il est relativement récent. Il y a des personnes qui se lancent un petit peu comme voilà, on aime voyager et du coup, bah, en fait, je vais faire la même chose que pour moi, c'est-à-dire bah, proposer des voyages sans forcément avoir connaissance du secteur du tourisme, de la réglementation et plein d'autres choses. Du coup, c'est cool que tu nous en parles. Merci, Agathe. De Et je suis rien. contente que ce soit bien fini parce que les Oui. Bah, de toute façon, légalement, c'est ce que me disait l'avocat, tant qu'on fait les choses dans les clous et dans les règles de l'art, ils peuvent absolument rien faire parce que eux, c'est pas l'État, c'est-à-dire eux signalent ensuite à l'État, enfin pour les fraudes fiscales, en gros, le cas des travel planners qui font pas les choses correctement. Mais bon, moi, j'ai de la chance, ça s'est bien terminé. Après, voilà, il faut faire attention si vous lancez votre activité de faire les choses correctement, quoi. Ouais, faire attention à tout ça. Yes, bah écoute, merci Agathe. Rien. Du coup, bah, on va pouvoir ouvrir la foire aux questions, j'avais envie de dire. Si vous avez des questions bah, pour Agathe, sur le métier de travel planner, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est, je crois qu'il y a moyen de lever la main apparemment pour poser une question. Si vous voyez ça, n'hésitez pas à le faire. Et à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, si bah, vous êtes OK, c'est de nous montrer votre doux visage, de dévoiler votre caméra et votre micro de façon à ce qu'on puisse bah, profiter de votre question. J'ai mis le chat aussi s'il y en a qui veulent poser des Yes. questions sur le Ah côté. ouais, cool. Comment on fait pour mettre le chat? Enfin, moi, T'appuies sur discussion, ça va s'ouvrir sur le côté. c'est plus professionnel que moi sur le Zoom. C'est le Covid, ça, je suis d'accord. Ah ouais, mais moi j'ai pris Zoom il n'y a pas très longtemps justement pour la formation, pour les lives, tout ça, parce que j'avais des bugs avec YouTube. Et du coup. Alors du coup, allez-y, si vous avez des questions, nous sommes toutes oui. C'est le but aussi de pouvoir participer en live avec d'autres professionnels. Si vous êtes plus à Que l'aise sur le chat. ouais, les personnes qui sont là, c'est des personnes qui veulent se lancer, c'est ça? Pas forcément, ouais, c'est des personnes du coup qui sont inscrites à ma base mail qui s'intéressent au métier. Donc je vois qu'il y a des filles de la formation, Agathe, Axel, je crois que j'ai vu Gaëlle aussi. Donc salut les filles. Bon, Bon, bah, pas de questions. bah, pas de questions, moi j'ai envie de vous dire, on va aller se prendre un petit café.
C'est cool. Non, mais pas de questions, ça veut dire que tout a été clair. Mais oui, et puis s'il y a des questions qui viennent, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire aussi via Instagram ou autre, hein, si elles veulent. Hein. Complètement, sachant que cette vidéo va être mise sur YouTube. Donc, si vous voyez cette vidéo donc, sur YouTube, ça veut dire que vous avez possibilité aussi de mettre un commentaire si vous avez besoin. Laissez un commentaire. Vous pouvez aussi, du coup, bien sûr, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si des questions pour Agathe, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, c'est Travel Abroad. Et pour ma part, ça va être Happytrek ou devenir Travel Planner pour les Mais vacances. attends, là, il y a une question. Là, il y a une Légalement, question. il n'y a que les packagings à faire attention. Bah, il n'y a pas que les packagings, c'est-à-dire que légalement, tu lances une activité. Donc, il faut que tu sois dans les clous de A à Z. C'est-à-dire, ce n'est pas juste je décide de faire des voyages pour faire des voyages parce que je suis passionnée. C'est un vrai métier, donc ça veut dire que c'est encadré. Donc, il faut que tu déclares ton statut d'auto-entrepreneur, si c'est ce statut que tu choisis, mais en général, globalement, c'est ce statut-là avec lequel tu vas commencer. Donc, il faut que tu te déclares à l'URSSAF. Et puis, ensuite, en termes de législation sur l'activité, oui, c'est les packagings auxquels il faut faire attention, mais il faut que tu aies des CGV qui soient mis en place. C'est hyper important. Si tu ne sais pas les faire légalement avec les articles de loi toi-même, bah, fais appel à une avocate qui est spécialisée, hein, comme je ne sais pas si Chloé le fait, Divine. Chloé Rézan le propose, mais Mais voilà, il faut absolument que tu aies des CGV et des mentions légales sur ton site internet. C'est obligatoire. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est les trois choses qui sont à pas négliger. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Ludivine, mais. bah, complètement, ça c'est vraiment les choses importantes. Après, sur le site internet, si vous captez des mails, il y a aussi tout ce qui est RGPD. Enfin, il y a Oui, quand c'est même ça. un ensemble de... En fait, disons qu'effectivement, sur l'exercice du métier même, il y a le fait que c'est interdit de packager, mais pas que. Il y a plein d'autres choses qu'en fait, on ne peut pas faire en tant que travel planner, notamment porter assistance aux clients quand ils sont sur destination, etc. Donc là, c'est tous des points justement qui sont abordés pendant la formation. L'idée en fait de cette formation, c'est vraiment de pouvoir vous donner une méthode efficace qui puisse éviter d'avoir des problèmes, mais aussi qui vous permette de lancer sereinement votre activité pour qu'elle soit durable. Le tourisme durable, c'est important, mais l'activité durable également, parce qu'on Oui, s'investit. c'est très important. Tout doit être durable. Donc, Alors, oui, cette demande. comment Laisse-moi. avez-vous fixé vos prix? Ouais. Alors, moi, mes prix. Ah, ouais, ça, c'est un sujet aussi. Souvent, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors, c'est important de faire une étude de marché, hein, bien sûr, pour comparer et puis aussi voir quel travel planner est derrière quel prix. Parce qu'en fait, il y a de tout maintenant dans le milieu des travel planners. Ouais. Et il y en a honnêtement qui mettent des prix, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec les prix qu'ils mettent. Il ne faut pas oublier que vous allez être auto-entrepreneur, il y a l'URSSAF qui va tomber chaque mois. Et c'est, bah, sauf si, enfin, vous allez avoir l'acre au début si vous faites les choses correctement, mais après, c'est quand même quasiment 22% par mois, donc, c'est, enfin, de vos revenus, donc c'est quand même pas à négliger. Moi, mes prix, j'ai décidé de les fixer à la semaine, donc c'est-à-dire. J'ai un tarif une semaine, j'ai mis 300 euros, 2 semaines 500, 3 semaines 750. Et après, si jamais c'est 10 jours, ben, j'ajuste le prix au prorata du nombre de jours. J'ai choisi ça parce que moi, je trouve que le tarif à la journée, ça parle pas forcément. Enfin, quand j'ai fait une étude de marché, je trouvais que ça parlait pas aux gens de forcément mettre un tarif à la journée parce que souvent, les gens, eh ben, ils se disent, oh là là, ça paraît. Soit ça va leur paraître beau, enfin, ils n'arrivent pas à calculer. Enfin, moi, je trouve qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça correspondait bien à ce que j'avais envie que ça soit. C'est-à-dire, c'est clair, c'est transparent. Et oui, ça peut paraître beaucoup de voir 750 euros pour 3 semaines, mais si vous faites bien le travail de discussion avec votre client et de lui expliquer en fait tout ce que ça inclut, je vous promets que quand il va aller voir une agence de voyage, les 750 euros, ils sont largement inclus dans la prestation de l'agence. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et après, vous pouvez très bien faire à la journée. J'ai parlé à des travel planners qui sont revenus justement au tarif journalier parce que, ils préféraient faire ça, parce qu'ils ont différentes offres, une offre premium, une offre classique, et du coup, ils font un tarif journalier différent. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est important de fixer ces prix correctement, c'est-à-dire que un tarif, vous pourrez toujours l'augmenter. C'est difficile de le baisser en termes de marketing, ça ne le fait pas trop, honnêtement. Enfin, moi, je trouve que ça ne le fait pas trop. Après, voilà, faut pas que vous travailliez gratuitement, quoi. Un voyage, ça prend du temps à organiser, surtout au lancement.
Je pense que moi, je suis encore au lancement, je prends encore trop de temps à organiser mes voyages. Mais vous ne pouvez pas faire. Enfin, moi, je vois des travel planners qui se font facturer 150 euros pour une semaine, 2 semaines de voyage. Je ne sais pas comment elles font. Parce que ça veut dire que c'est 150 euros moins l'URSSAF. Donc, en fait, elles gagnent un tout petit peu plus que 100 euros. Et donc, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut vraiment Ah que. ouais. Ouais. Mais Et dans les prix, c'est honnêtement. important de savoir si vous imprimez le carnet de voyage, par exemple. Moi, je sais que je l'imprime, ça a des frais, enfin, ça a un coût. Ça a un coût d'impression, ça a un coût d'envoi. Donc, je l'ai inclus, en fait, dans mon offre. Et lorsque les gens me contactent et qu'ils trouvent que c'est trop cher, bah, du coup, je leur propose de ne pas l'imprimer et puis je réduis le prix, quoi. Parce que du coup, le coût, je ne sais plus si c'est à toi que j'avais posé la question sur le. Parce que ça te Le coûte. coût du carnet, ouais, alors le coût du carnet, j'ai vraiment galérer à trouver un imprimeur déjà qui puisse imprimer à l'unité, parce que là, il y en a beaucoup qui veulent imprimer en fait par 100. Je voulais un imprimeur éco-responsable, j'ai vite mis un trait là-dessus parce que c'est pas possible, en fait, ils le font pas à l'unité. Donc j'ai choisi un imprimeur qui utilise du papier français. C'est mieux que rien déjà. Bon, globalement, ils le font à peu près tous, hein. Et moi, le coût, alors en général, mes carnets, ils font une bonne trentaine de pages. Hein. Enfin, je compte pages, hein, pas. Enfin, ça fait environ 16 doubles pages. Et ça coûte environ 18 euros l'impression. Donc, moi, Ah ça, je l'ai inclus. J'ai trouvé une offre vraiment pas chère, hein, avec mon ouais, c'est imprimeur. clair. C'est bien parce que j'avais vu des prix un peu tu vois, plus élevés, genre 30 à 50 euros. J'étais là, ouais, mais la Oui, personne. moi, on m'a fait des devis à 50, à 70 euros. En plus, je ne voulais pas un format A4, je voulais un format adapté à ce que je voulais, donc ça coûtait plus cher. Eux, ils ont accepté de me le faire sans souci. Et voilà, après, ça, c'est à inclure dans les frais. Enfin, il faut augmenter vos prix si vous faites ça, quoi. Ouais. Bah, c'est clair que le calcul du prix, en fait, il a envisagé à plein de niveaux. Déjà sur sa propre activité, sur ce qu'on a envie de se rémunérer, sur le temps qu'on va y passer. Et puis ça va dépendre aussi de votre client type, en fait. Parce que le prix, c'est aussi l'un des aspects qui fait qu'une personne va réserver ou pas votre service de travel planner. Si par exemple, vous avez un positionnement qui est haut de gamme et que vous avez un prix qui est trop bas, la personne va se dire, ouais, enfin bon, attends, c'est pas assez cher, il y a anguille sous roche. J'ai vu une nana, alors je ne vais pas dire le nom parce que ce n'est pas l'objectif, mais qui propose ses services pour 20 balles. Enfin, je pense J'en qu'elle ne ai le gère pas. Enfin, ouais. honnêtement, je ne vois pas. Et je pense que les travel planners, les personnes qui se lancent et qui ont des tarifs trop bas, soit elles ne déclarent pas, bah soit elles ont un job à côté. Donc, du coup, bah, c'est de l'argent de poche. Mais on ne peut pas envisager une création d'entreprise de façon durable. Bah, c'est une entreprise qu'on crée, même si c'est le micro, bah, c'est une entreprise. Bah, du coup, il faut avoir des prix qui soient adaptés, en fait, parce que bon, il y a le temps que tu vas passer, mais il y a aussi les heures que tu vas passer à communiquer, le temps que tu vas passer en congé quand tu veux te partir en vacances, être tranquille, couper ton téléphone, bah, il faut l'envisager aussi. Et en fait, quand tu factures 150 euros pour 15 heures de travail, bah, franchement, autant faire de l'humanitaire, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et Tu puis vois? surtout, moi, je trouve que de facturer plus parfois, bah, moi, je prends vraiment le temps d'aboutir le voyage pour mon client, quoi. Bon. C'est-à-dire que oui, je passe du temps. Je pense que je passe plus de temps qu'une travel planner qui facture moins parce que j'estime que mon client me paye plus cher et donc que je dois lui fournir quelque chose de top. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment votre positionnement. Il faut voir si vous voulez faire, si c'est votre clientèle, c'est des gens qui partent une semaine avec un seul hébergement. Voilà, vous pouvez adapter un petit peu moins cher. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de road trip. Ça demande beaucoup de travail. Je ne vais pas baisser mes prix. Je les ai même augmentés après une semaine d'activité parce que j'ai vite vu tous les gens freelance autour de moi m'ont dit, mais tu peux pas vivre comme ça. En fait, ils me disaient que la base d'un freelance, normalement, c'est 200 euros à la journée. Les tarifs des freelances, quand on va sur les plateformes, etc., pour embaucher un freelance à la journée, c'est 200 euros parce que le freelance, il va payer l'URSSAF derrière. Donc, imaginez un voyage de road trip de 3 semaines, ça prend plusieurs jours à organiser. Donc, voilà, Ouais. il faut que vous adaptiez votre offre. Bah, c'est ça, et sachant que sur le freelance, on n'est pas sur le même métier non plus, parce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui va proposer ses services souvent sur des missions longues. Par exemple, tu es freelance en tant que community manager. Bah, en fait, moi, j'en avais embauché une pour l'agence. Enfin, embaucher une en freelance, bah, en fait, c'était un contrat durable. Enfin, tu vois, c'était sur plusieurs mois. Donc encore, tu peux même pas facturer et te dire, tu vois, 200 euros la journée. Bon, j'ai fait le calcul, ça fait 28 euros l'heure. Ben, en fait, ça sous-entend que du coup, tu travailles tous les jours, tu vois, du mois pour avoir, ou en tout cas sur une grosse durée. Donc c'est vrai que le prix,
Et comme tu dis, c'est bien parce que tu as pu ajuster à un moment donné, ça c'est possible. Parfois, quand on se lance, en fait, j'ai remarqué avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est en fait, on veut le truc parfait direct, la bonne com, le bon logo, les bonnes couleurs. Non, n'existe pas. Ouais, non, on change, tu vois. Moi, d'ailleurs, regarde le podcast Nouvelles Impulsions, là, je vais changer les couleurs parce que, bon, bref, et pourtant, j'y avais réfléchi, mais c'est pas grave, en fait, si on change 3 mois après, en fait, personne vous dira, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Enfin, en fait, c'est pas Ouais, l'important, c'est le positionnement, le message et ce que vous faites comme qualité de travail. c'est vraiment ça. Et puis, il ne faut pas se dire, enfin, faut comparer, je pense, avec les autres, mais il faut vous dire aussi qu'est-ce que vous voulez par mois aussi. Enfin, en fait, il y a beaucoup de freelances autour de moi qui sont pas travel planners, qui me disent quel est ton objectif en fait mensuel. Et ensuite, tu adaptes aussi avec ça. Bon, forcément, si tu veux gagner 5 000 euros par mois, peut-être travel planner au début, ça va pas trop être le métier, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que, ouais, ça, c'est, enfin, faut vraiment faire un bon positionnement. Il faut bien réfléchir avant de se lancer. Et puis aussi, il faut se dire que vos carnets de voyage au début, bah, vous allez prendre du temps à les faire sur les destinations. Mais si, oui, si tu te spécialises sur, je sais pas, 5 destinations, eh ben, et c'est des destinations qui te plaisent, qui sont intéressantes pour les gens. Et bah, au début, ça va te prendre du temps, mais après, ça va être de l'argent de poche parce que tes carnets, tu vas repersonnaliser, mais ça sera beaucoup plus simple. Donc, ce sera beaucoup plus facile de te faire un salaire par la suite, quoi. Puis tu peux réutiliser aussi les carnets de voyage que tu as déjà Ouais. mis sur une destination. Donc en fait, Ouais. c'est De ça aussi. toute façon, ce qui change souvent, c'est les hébergements parce qu'ils ne sont jamais disponibles forcément pour d'autres dates, C'est mais. ça. Après, les infos sur les villes, enfin, moi, je vois le Canada, je ne vais pas réécrire l'histoire de Montréal d'une autre façon. C'est la même, elle n'a pas changé. Les monuments, ils sont toujours là. Hein, donc... Carrément. Il y a Véronique qui a posé une question. Yes. Que pensez-vous des organismes qui mettent en relation les voyageurs et les travel planners? Tu À penses quel à organisme? qui? Ouais. Je sais pas si elle est encore là, Véronique. Non, j'ai pas accès à tout. Si elle est encore là. Elle est encore là, tu vois. Bah, en tout cas, elle est toujours connectée. Bah ouais, il faudrait que tu me dises à quel organisme tu penses. Mais après, Moi, à quel... à part, ah, il y a un nouveau message. Désolée, ma Ouais. caméra ne fonctionne pas. Du coup, à qui tu penses comme organisme, Véronique, sur ta question Pense qu'elle pense peut-être qu'il y a des plateformes où tu peux acheter un freelance. Enfin, tu peux acheter, tu peux. Ah oui, je vois. Demande un travel planner. Oui, tu peux donner le nom. Oui, Enfin, je bien pense. sûr. Oh, sens-toi libre. Ah, Ah, bien là. Je Viala. pensais à bien là, mais je me suis Ouais, peut-être. moi aussi, je me suis dit, elle pense à Vialala. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi, honnêtement, Vialala, c'est Ludivine qui m'en a parlé il y a quelques jours. Les plateformes, je les ai découvertes il y a bien longtemps parce que je voulais me lancer il y a 8 ans en tant que travel planner et il y en avait peut-être deux ou trois sur le marché vraiment déconnus. Et j'avais découvert une plateforme qui commençait à faire ça. Je ne m'y suis pas penchée moi personnellement pour le moment parce que j'avais vu que le tarif était extrêmement bas et que c'était vraiment pour moi à l'époque de la main-d'œuvre gratos, quoi, limite. Mais je pense que Vialala, c'est une bonne plateforme désormais. Ouais, en fait, c'est pas le même. Alors déjà, à la base, Vialala, alors si ça t'intéresse, Véronique, j'ai fait un live avec Xavier, le fondateur de Vialala. Il est dispo sur ma chaîne YouTube si tu veux vraiment avoir tout l'historique, etc. Mais globalement, en fait, Vialala, à la base, c'est plutôt un service qui permet aux travel planners de proposer des voyages packagés à leurs clients. Donc déjà, ça permet de venir packager plusieurs offres et d'avoir un tarif unique. Et en plus, d'avoir un service d'assistance d'agent. C'est-à-dire que c'est l'équipe admin de Vialala qui va gérer les réservations et les paiements du coup auprès des différents prestataires. Donc c'est un service plutôt premium que tu peux offrir à tes clients. Maintenant, donc là, ils ont sorti une nouvelle version de leur site internet. Et du coup, grâce à cette version, les travel planners peuvent plus facilement mettre comment dire, des annonces de voyage, en fait, comme des retours d'expérience, comme ce que tu as pu faire, Agathe. Et du coup, tu peux du coup avoir des contacts via ce biais, en fait. Donc, c'est bien parce que ça peut apporter une source de trafic complémentaire, mais il ne faut pas compter uniquement par ce biais, en fait, puisque ça ne sera pas suffisant, à mon sens. Mais ça, c'est valable sur toutes les plateformes.
Qui peuvent exister. Donc, en fait, quand tu crées une activité travel planner, une activité indépendante, quelle qu'elle soit, il va falloir bien réfléchir déjà dans un premier temps quel est ton positionnement, qui est ton client type, sur quel support va ton client type et comment tu vas pouvoir optimiser et trouver les bons canaux de communication pour en fait, maximiser les prises de contact et les ventes, en fait. Donc, oui, via Lala, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet de proposer du packagé, alors qu'en fait, sans avoir à créer d'agence de voyage, ça s'entend. Et puis, maintenant, c'est vrai qu'il développe beaucoup la plateforme sur ce côté communication. Donc, moi, je suis présente sur Via Lala, je travaille avec Via Lala. Je suis même référente pour les travel planners chez eux, parce que j'adore le concept, moi, je trouve ça très bien. Et du coup, voilà, si tu es déjà travel planner, je ne sais pas si c'est le cas, bah, n'hésite pas à prendre contact avec, ça ne sera peut-être pas Xavier, mais n'hésite pas, c'est très cool. Il y a quelqu'un qui a posé une Quatre nouveaux question. messages. Ok, j'irai voir. Attends. Elle voulait savoir si c'est possible de le faire en association. Bah, c'est une bonne question. Le statut travel planner. Alors, l'association, déjà, elle a pour but pas de faire de bénéfices. Enfin, le but d'une association, c'est de rassembler des personnes. Donc, déjà, dans une association, il y a un président et un ou une présidente, un trésorier. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec une association. Donc, je vois pas trop l'intérêt de créer une association. C'est un Ouais. peu pour devenir travel planner. Je pense que l'association, ça peut être bien si c'est une activité où tu n'as pas envie forcément de te faire des sous, mais je sais pas, tu as un coup de cœur pour un pays, tu as découvert une association sur place, genre je sais pas, je pense en Afrique, et que tu as envie de mettre en place une aide pour ramener des touristes dans l'association sur place, mais tu seras juste Ouais. médiatrice, mais tu peux pas en faire un métier avec un statut Ah ouais, associé. en plus, c'est limité en termes de rémunération sur l'association. Enfin, ouais, ça a pas vraiment, ouais, je trouve de grand intérêt. J'avais envie de te poser une question, Agathe. Du coup, combien tu as réussi à avoir de clients depuis le début, depuis ton Oui, alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai eu. Faut que je compte. Hey, Donc, t'en as j'ai. eu trop ou pas? Non, 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 j'en ai pas eu. Mais en fait, j'ai organisé quelques voyages. C'est pas beaucoup. J'ai organisé la Nouvelle-Zélande, les îles Féroé, deux fois le Canada, Ouais. l'Ouzbékistan. Donc, ça fait cinq gros voyages, on va dire. Et en plus de ça, j'ai organisé un tour du monde pour des retraités. Mais c'était juste. L'administratif pour les visas et les billets d'avion. OK. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un guide sur mesure pour des jeunes qui partent en PVT en Australie. Donc là, c'est plus ma partie accompagnement. Okay. Donc au total, je pense que je pense que j'ai eu un autre client aussi en conseil. Mais globalement, j'ai eu huit clients pour l'instant. Et j'en suis assez satisfaite parce que disons que j'ai eu beaucoup d'appels par contre téléphoniques avec des potentiels clients Ouais. qui veulent organiser des voyages plus tard. J'ai eu des clients, en fait, les voyages se sont annulés pour raisons familiales, mais des gens qui étaient intéressés, j'en ai eu beaucoup. Et donc voilà, donc j'étais assez contente. J'avais un client pour la Scandinavie, mais j'ai fait le choix de passer ce client à une travel planner qui est spécialisée sur la destination scandinave, tout simplement parce qu'il voulait y aller en train. C'était un Okay. voyage qui m'aurait fait énormément plaisir de l'organiser. Mais cette fille, elle est spéciale, ça s'appelle l'Élan Blanc. D'ailleurs, c'est génial ce qu'elle fait. Elle est spécialisée sur la Scandinavie en train. Donc, je me suis dit, bon, c'est vraiment mieux pour mes clients qui passent par elle. Mais voilà, donc j'ai eu ouais, sept bons clients de confirmés. Cool. Voilà, et l'Ouzbékistan, donc ouais, 8. Donc, non, Bah, c'est cool. bravo, c'est bien, Ouais, ça fait beaucoup, tu vois, ça te fait quand même 2 clients par mois en moyenne, merci. Ouais, c'est donc ça. c'est trop bien. C'est ça. Et puis, je fais de la sous-traitance pour une travel planner qui, elle, son activité roule déjà bien. Ouais. Et du coup, j'avais travaillé pour elle pour la Laponie. Et là, en fait, je vais continuer à sous-traiter pour elle parce que, voilà, elle a beaucoup de clients. Et ça, c'est sûr que financièrement, c'est moins avantageux, mais c'est aussi, ça assure une entrée de clients perpétuelle. Et Ouais. c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut refuser en début d'activité. Donc, ouais, je suis assez contente. Yes, ça va trop bien. Ouais. Et du coup, on a une question. Alors, attends. Tac, tac, tac. Est-ce difficile de trouver des partenaires et comment fonctionne-t-il généralement?
Les partenaires, officiellement, tu n'as pas le droit de toucher de rétrocommission de tes partenaires. Donc, ça, c'est la base du métier de travel planner. Ouais. Après, ben, il y en a qui le font. Je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus. Bah, après, je ne sais pas si la question, c'est est-ce que c'est difficile de trouver ce qu'on appelle des partenaires, c'est-à-dire des prestataires d'activité ou des partenaires, ouais, des hôtels auprès de qui tu vas envoyer des clients. Là, c'est bon, ça peut être un peu similaire, mais quelque peu différent aussi, parce que donc, en tant que travel planner, tu ne peux pas mettre directement en relation tes clients avec un hôtel. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que pour ça, c'est de l'intermédiation. Il faut être agent de voyage. Donc, tu peux proposer différentes possibilités, suggestions, et ensuite, le client va directement réserver auprès de l'hôtel de son choix ou pas, quoi. Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de partenaire? Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Il faut faire attention à la façon dont tu es amené présenter le partenariat, que ce soit pour le client, sur votre site, etc., quoi. Donc, après, Ouais, c'est t'as pas le droit difficile. d'avoir un partenaire exclusif, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire, bon, bah, vous allez aller à Londres, je vous envoie dans tel hôtel. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir le choix. C'est ça. Après, moi, bizarrement, en contactant là beaucoup d'organismes pour des canoë trips au Canada pour des clients, beaucoup, quand je demande des devis pour mes clients, m'incluent une rétrocommission pour moi, en fait. Parce qu'ils estiment que je leur rapporte de la clientèle. Vu que je suis au début de mon activité, que je n'ai pas envie trop de me compliquer la vie avec des virements internationaux, je n'accepte aucune commission de cette façon. Mais je pense que si ça se fait de cette façon, je pense que c'est acceptable. Enfin, je ne sais pas trop légalement, mais... Bah, ouais, il y a un petit peu un flou juridique sur ça. Ouais, Hein. c'est On ça. parlait avec l'avocate justement dans le cadre de la formation. Faut faire attention, ça c'est vraiment un choix, c'est un parti à prendre. Est-ce que tu acceptes logiquement? Il n'y a pas trop de problème parce que du coup, il n'y a pas d'intermédiation. C'est un voyage packagé proposé par l'agence et toi tu es apporteur d'affaires, mais il faut faire attention parce que y a des personnes, si elles mettent leur nez dedans, bon, ça peut Ouais, porter à c'est ça. question. Donc Moi, là, il n'y jusqu'à a pas. présent, je n'ai pas fait quoi. Ouais. Je fais pas ça, moi, pour l'instant. Après, la question, est-ce que c'est difficile de trouver des prestataires? Ben, en fait, c'est le métier de travel planner. Donc, C'est ton métier de... c'est ça le job. C'est-à-dire, après, je pense qu'il ne faut pas que tu te dises, oh, allez, on part à la guerre, on va trouver des partenaires. Il faut que tu te dises, Ouais. ok, je suis passionnée. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la recherche d'activités ou d'hébergement? Pour Ouais. faire ce métier, je pense qu'il faut vraiment adorer. Dénicher des lieux quoi qui sont atypiques ou qui sont intéressants quoi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est l'une des bases, hein. Créer des voyages, ça fait forcément, ça en fait partie. Alors du coup, il y a My11 qui dit, c'est juste que pour organiser des voyages, même en étant une asso, il faut avoir une immatriculation. Ah oui, mais là, c'est deux choses différentes en fait. Alors, il y a d'un côté les voy organiser un voyage packagé, oui, c'est clair qu'il faut une assurance, il faut une garantie financière, il faut une immatriculation auprès d'Atout France. Mais conseiller des voyages, en tant que travel planner, on propose un itinéraire de voyage, on n'organise pas de voyage packagé. Donc ça, si jamais c'est un peu flou, n'hésite pas, Mi-11, je ne sais pas ton prénom. C'est Ivana qui a le compte ça. Yana, bah, n'hésite pas à aller. Moi, il y a une vidéo qui explique bien ça sur ma chaîne YouTube ou sur le blog, en fait, pour que ce soit bien clair. Mais oui, en tant qu'association, si tu packages, ben ouais, effectivement, il faut une immatriculation. Tac, tac, tac. Et puis au final, bah, on a répondu aux questions de Utah. J'ai pas trop On a compris en tout répondu à la question, je pense. cas. Ok. Étant donné qu'on n'est pas agence de voyage, si le client ne souhaite pas payer directement via Internet, vous avez une agence de voyage. Hein? Ah, si le client ne veut pas faire sa réservation de lui-même, ah ben ça, c'est la base quand tu as ton client au téléphone, avant qu'il te rémunère quoi que ce soit, il faut bien lui expliquer le système de ton activité. C'est-à-dire que, enfin, si je comprends bien ta question, hein, si, faut pas que tu te fasses rémunérer par ton client. Et qu'après, tu lui expliques que c'est lui qui va faire ses réservations lui-même. Il faut que tu lui expliques lors du premier appel téléphonique avec lui pour bien lui expliquer le concept du métier, quoi. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où en fait le client vous contacte, il n'est pas censé
penser que vous êtes agent de voyage, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans votre communication. Il ne faut pas mettre, par exemple, sur Instagram, agence de voyage, parce que le client, évidemment, il peut confondre. Mais si, en fait, vous avez expliqué sur votre site, comme l'a fait Agathe, sur une page, quels sont mes services, la personne va directement comprendre que, en fait, en faisant appel à vos services, vous allez l'aider à créer son itinéraire de voyage, mais vous n'allez pas réserver à sa place. Ça, il faut que ce soit clair à la base, et si ça ne l'est pas, il faut en parler par téléphone. Moi, j'en parle toujours par téléphone pour Ouais. être sûre que le client ait bien compris. Parce que j'ai encore des clients qui m'appellent et qui pensent que je suis une agence, alors que c'est quand même très, très, très bien expliqué sur mon site. Donc, c'est hyper important de préciser, mais gentiment, quoi, en leur expliquant, ben voilà, vous avez compris le système. Et soit ils vont vous dire, vous pouvez me réexpliquer, soit ils vont dire, oui, on a vu, on réserve nous-mêmes. Moi, j'en rajoute, je leur réexplique une deuxième fois pour être sûre que c'est clair pour eux, quoi. Ouais, c'est important, ouais, c'est en tant que professionnel, il faut que les choses soient vraiment claires. Dans l'esprit du consommateur, même si c'est marqué sur vos CGV, même si c'est marqué sur votre site, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à lire un peu en diagonale quand on est pressé, surtout quand on a envie de confier l'organisation de son voyage à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas trop le time, donc on peut lire en diagonale. Est-ce qu'on travaille avec une agence? Alors moi, pour le moment, je ne travaille pas avec des agences de voyage parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, pour être honnête. Pour celles qui vont se lancer, au début, vous allez être un peu débordé rapidement avec peu de travail. C'est-à-dire que tout paraît un peu... Enfin, on se fait vite submerger par les choses parce qu'entre la comptabilité, l'organisation des voyages, les réseaux sociaux... C'est vraiment un job, hein. Enfin, vous allez tout faire. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas encore pris le temps de démarcher des agences, mais parce que j'ai eu des clients directement. J'ai eu cette chance-là. Donc, mais je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire, de collaborer avec des agences, hein. C'est vraiment... Yes. Puis sur certains projets, par exemple pour des séjours collectifs, ça peut être intéressant. Enfin, c'est obligatoire. Et puis en plus, c'est bien d'adapter l'agence en fonction du positionnement du séjour. Enfin, Ouais. du coup, ouais, c'est pas mettre de côté. Merci. Merci. Du coup, on arrive en fin de live. Ça fait 1 heure déjà, mine de rien. Ça passe. Ouais. Ça Bon, passe vite. ben, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Yes, je pense. Alors, attends. Merci. En tout cas, merci d'être venue. Merci du coup à toi aussi, Agathe, d'avoir répondu présente à mon invitation. Avec plaisir. C'est chouette. Et puis, du coup, si jamais vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou à venir soit poser la question à Agathe, soit à venir me poser une question via Instagram, par exemple. On y répondra avec plaisir. Sur ce, les filles qui sont élèves de la formation, je vous souhaite bon cours cet après-midi. Sinon, à tout le monde, bon après-midi. Profitez bien. Merci Laure. Elle nous dit merci pour cet échange enrichissant. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'univers du voyage de façon générale, n'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast Nouvelles Impulsions. Aujourd'hui, il y a un nouvel épisode qui est sorti avec Manon. Alors, elle n'est pas, c'est pas ce qu'on peut appeler proprement parler travel planner, mais en fait, elle a créé une entreprise qui s'appelle Manostralia. En fait, elle aide les personnes, notamment les étudiants ou même les actifs, en fait, à partir en Australie. Elle peut mettre en relation avec des écoles, tout ça. Enfin, en plus, elle a un diplôme spécifique, parce que c'est un peu un particulier, l'Australie. Mais voilà, il y a un épisode où elle nous parle de son parcours et de son métier. Donc, voilà, et plein d'autres choses. En tout cas, merci Agathe encore une fois. Merci à toutes et à tous. Et puis, bon après-midi, à bientôt. Voilà. Salut!
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live où je suis avec Agathe, Travel Planner. Alors Agathe, peut-être que tu peux... Ouais. On se parle. Salut. Trop chouette. Du coup, bienvenue tous. Je ne sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait des hommes parmi vous. Plutôt rare dans les métiers du voyage. Plutôt rare aussi dans les participantes à nos lives. Mais bon, en tout cas, messieurs, si vous êtes présents, bah, soyez les bienvenus également. On va vous laisser arriver un petit peu tous. Il y avait 40 personnes inscrites pour le live. Donc, par expérience, je sais que tout le monde ne participe pas. Mais du coup, si vous êtes inscrit, vous aurez aussi accès au replay qui sera diffusé sur YouTube comme d'habitude. Du coup, comment ça va se passer? On va commencer par échanger ensemble avec Agathe. Je vais lui poser quelques petites questions sur son métier, puisqu'elle s'est lancée comme travel planner cette année, en 2023. Elle va nous parler de son parcours. Et puis à la fin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre caméra si vous êtes à l'aise. C'est toujours un peu plus sympa pour nous de voir qui pose les questions. Évidemment, allumez votre micro à la fin au moment de poser vos questions. Et également un chat si vous êtes plus à l'aise sous ce format-là. Ça te va, Agathe? Ouais, c'est parfait, je suis prête. Bon, bah, trop cool. Je vais enlever mon partage d'écran. Attends, comment je fais? Partager d'écran. Arrêter le partage. Et comme ça, on va te voir un peu plus nettement. Ok, super. En plus, moi, je te vois mieux comme ça. C'est parfait. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement aux internautes? Moi c'est Agathe, je viens d'avoir 29 ans, je suis originaire de Bretagne et les dernières années, avant de me lancer en tant que travel planner, je travaillais pour le groupe Accor Hôtel qui détient la marque Jo & Jo. Donc je travaillais dans les Landes à Osgore, donc ambiance surf, plage, etc. Là-bas, je gérais les groupes, l'animation, la réception. J'ai fait 3 ans là-bas et après ça, j'ai fait une petite pause de voyage et voilà, je me suis lancée dans l'aventure de travel planner. Ça, c'est la version vraiment courte des dernières. Voilà. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rapidement sur le métier précédent. Jo & Jo, tout le monde ne connaît pas forcément la marque. Oui. Alors, la marque, en fait, c'est chez Accor, il y a plein, plein de marques. C'est un énorme groupe, hein. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Et du coup, ils ont développé une marque qui s'appelle New Lifestyle. Et dedans, il y a les hôtels un petit peu plus modernes, jeunes, avec la tendance de rassembler les locaux avec les voyageurs. Donc, ça n'avait rien à voir avec un hôtel traditionnel. Là-bas, on tutoyait nos clients, on accueillait des groupes, des mariages, mais aussi des backpackers, des familles, des couples. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de gérer la réception, de gérer les groupes. Enfin, voilà, c'est très varié et polyvalent comme tout travail dans l'hôtellerie. Ça t'a déjà fait une première expérience dans le tourisme, du coup? J'avais déjà travaillé auparavant dans une auberge de jeunesse. J'étais assistante manager parce que ça découlait de mes études, du coup, en tourisme et en hôtellerie. Ouais, t'as fait tes études, du coup, t'as fait quoi? Un BTS tourisme? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors mon parcours d'études, il est un petit peu, enfin, il est un petit peu particulier parce que moi, j'ai fait école de cuisine. Après, j'ai pris une année de césure pour voyager en Nouvelle-Zélande. Je suis revenue, j'ai repris mes études en école de commerce parce que je voulais avoir le champ des possibilités ouvertes pour faire ce que je veux après. Et après, par la suite, du coup, j'ai intégré Subdeco La Rochelle qui a une section spécialisée en tourisme et management. Et Yes. du coup, j'ai eu l'occasion d'intégrer cette école et de faire de l'alternance. Et voilà comment je suis arrivée dans le milieu du tourisme. Mais tu sais que c'est trop marrant parce que, alors, j'ai failli intégrer. En fait, j'étais admise dans cette école en 2010. En fait, Ouais. j'avais passé. Moi, j'ai fait un DUTTC, technique de commercialisation. Et en fait, j'ai voulu passer le concours Passerelle. C'est un concours qui permet à des gens, à des étudiants qui ont un bac plus 2 d'intégrer des écoles de commerce. Et du coup, j'ai fait tout un tour de France. Enfin, y a des écrits, tout ça. Puis après, j'étais admise à l'oral. Et en fait, je suis allée dans cette école, et notamment à La Rochelle. Et en fait, j'ai bien réussi l'oral. J'avais eu 18, quoi, tu vois. Donc, et en fait, à l'époque, je m'étais dit, ah ouais, mais non, moi, le tourisme et l'événementiel, ça m'intéresse pas. Comme quoi, tu vois. Mais comme quoi, mais tu sais, en fait, j'avais l'image, je me disais, ah non, mais je m'imaginais qu'en fait, la seule façon de travailler dans le tourisme, c'était de bosser dans des agences de voyage, et Oui, j'imaginais bah ouais, vieux c'est truc souvent la poussiéreux, tu vision, vois. c'est ça.
C'est souvent la vision que tout le monde a, mais maintenant l'école, ils ont... c'est vrai qu'ils sont très réputés là-dedans et puis c'est hyper diversifié, quoi. Donc, C'est clair, ouais. Mais tu vois, maintenant que j'évolue dans le tourisme depuis quelques années, bon, je vois que c'est un vieux truc poussiéreux, mais c'est ouais. vrai que c'est marrant, du coup, je savais pas, tu vois, que tu avais fait cette école et trop Mais cool. à refaire, je ferais plutôt un BTS tourisme pour que ça soit gratuit et intégrer en passerelle la troisième année pour faire de l'alternance. Comme ça fait une scolarité gratuite et avec un diplôme d'une belle école, quoi. Pour Ouais, les c'est gens qui n'ont pas trop les moyens, c'est vraiment le bon plan de faire ça. ouais, c'est sûr que c'est intéressant parce que, ouais, une école de commerce, c'est quand même pas donné. Ouais, Il y a des non, coûts. c'est ça. Ok, ouais, donc tu as déjà un parcours qui était quand même assez orienté tourisme, les études, tu as voyagé, du coup tu nous as dit Nouvelle-Zélande, trop cool. Ouais, j'avais fait Nouvelle-Zélande et puis j'ai commencé à voyager très tôt. À mes 16 ans, je suis partie aux États-Unis. Je Toute m'étais seule. débrouillée pour trouver une famille pour partir toute seule parce que mes parents n'avaient pas les sous de me payer un organisme. Du coup, j'étais déjà dans la débrouille du voyage, quoi, depuis longtemps. D'accord. Chouette, donc c'est vraiment un peu bah, comme une vocation, en tout cas une passion, quoi. C'est ça. C'est vraiment une passion. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un job salarié à entreprendre, devenir entrepreneur avec un E? C'est un peu... Oui, alors bah, quand je suis rentrée de ce voyage en Nouvelle-Zélande, en ma tête, je faisais déjà une école de commerce pour plus tard entreprendre. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment l'idée de... À l'époque, je voulais monter une auberge de jeunesse, mais j'étais déjà dans cette idée de monter mon propre business. Ok. Et après, chez Accor, bah, c'était génial comme expérience. Mais c'est vrai que bah, malgré tout, le fait d'être dans un groupe, d'avoir des contraintes, de ne pas pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'on veut. Je pense que je suis quelqu'un aussi très créative et du coup je me sentais un petit peu opprimée dans ce milieu et du coup c'est vrai que au début je voulais me lancer pour uniquement faire du coaching pour les jeunes qui sont un petit peu paumés, qui veulent partir à l'étranger et qui savent pas trop comment s'y prendre parce que j'avais eu beaucoup d'expériences comme ça moi en étant plus jeune. Ouais. Et le fait d'étudier en tourisme à La Rochelle a fait que bah, je me suis dit, je vais prendre la double casquette de création de voyage et d'accompagnement pour les jeunes. Du coup, voilà, je me suis lancée comme ça et je me suis dit qu'il fallait quitter son job pour vraiment se lancer à fond. J'ai eu Ouais. l'occasion de faire une rupture conventionnelle, donc forcément, ça aide aussi pour se lancer. Ouais, du coup, tu as pu bénéficier de l'assurance chômage et c'est Ça. vrai qu'on est un peu plus serein, sereine du coup quand Oui, on... c'est ça. Sinon, j'aurais clairement pas pu me lancer. Peut-être Parce que tu que... aurais fait ça du coup en complément, comment tu C'est aurais ça. C'est envisagé. ça, je pense que j'aurais... Ben, en fait, à la base, je voulais le faire en parallèle de mon travail, mais je me suis vite rendu compte qu'en travaillant dans l'hôtellerie, c'était compliqué parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, j'ai un peu abandonné cette idée. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille, donc j'ai quitté mon CDI, quoi. Ouais, tu t'es lancé, c'est ça l'entrepreneur. Ouais. Hein. C'est C'est vrai ça, que... sauter les deux pieds dedans, quoi. Ouais. Il faut oser se lancer, c'est normal. En fait, au début, on se pose plein de questions. Enfin, en fait... La personne qui ne se poserait pas de questions, ça serait quand même un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Du coup... Financièrement, on est obligé de toute façon de se poser des questions. Après, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une philosophie. Et enfin, moi, ça ne me fait pas peur, en fait, de rebondir, d'aller dans l'inconnu. Je sais qu'il y a des personnes, ça les effraie beaucoup. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup changé de voie dans ma vie, donc ça ne me fait jamais très peur de changer quoi. Ouais. Et puis c'est comme ça justement qu'on apprend, on peut s'enrichir aussi Ouais, c'est ça. des différentes expériences du parcours. Trop chouette. Exactement. Et du coup, à partir de quel moment tu as décidé, parce que là, tu as lancé ton activité en janvier officiellement? Alors, officiellement, je l'ai lancé un peu avant. Je l'ai lancé En fait, j'avais déjà déclaré le statut auto-entrepreneur en 2020, donc ça date. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Chose D'accord. qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, Non. s'il y en a qui veulent se lancer, parce que du coup, j'ai perdu l'ACRE. Donc, Ouais. c'est pour ceux qui ne savent pas, l'ACRE, c'est ce qui nous permet de ne pas payer les cotisations sociales pendant 2 ans. Ouais. Donc, autant vous dire que ouais, c'était compliqué. Enfin, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, bah, erreur de débutant, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment lancé mon activité là en septembre. J'ai lancé mon site internet, enfin septembre-octobre. J'ai OK. eu mon premier client test au mois de novembre, mais vraiment depuis janvier, on va dire que c'est le vrai lancement. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles client test? Bah, disons qu'en fait, je venais de lancer mon site, mais j'avais préparé aucune campagne de communication. Enfin, c'était vraiment, j'ai fait une vidéo sur Instagram, un petit montage, etc. Mais c'était vraiment... C'était pas, j'avais rien de concret. Et puis, je me rends chez mon médecin, il me dit qu'il part en Nouvelle-Zélande et je lui dis, ah bah, je viens de lancer ma boîte, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je lui ai dit, je fais, écoutez, si vous voulez, je vous organise tout. Si vous êtes satisfait, vous me rémunérez. Et sinon, bah, vous me direz ce qui ne convenait pas.
Puis au final, ça s'est très très bien passé. Donc ça, c'était mon premier client, on va dire, pas vraiment avec le vrai devis, la compte, le paiement à la fin, quoi. Il t'a rémunéré ou pas? Il m'a rémunéré, ouais. Il m'a J'allais rémunéré. dire quand même. Ouais, quand même. Mais surtout que c'était du boulot, hein, 3 semaines de road trip en Nouvelle-Zélande. Ouais, et justement, à titre indicatif, ça t'a pris combien de temps à organiser, si tu peux à peu près doser le temps? Alors là, c'était vraiment du last minute parce qu'ils partaient 10 jours après, à peine. Ils avaient déjà leur vol et loué le camping-car. Donc, fallait vraiment. En fait, là, c'était vraiment différent parce que le but était de leur trouver plein d'aires de camping-car, enfin, d'aires de camping, soit sauvages, soit payantes. Donc, là, c'était un énorme travail de recherche. Et du coup. Du moment où j'ai eu la demande jusqu'à la finalisation, ça m'a pris une semaine, quoi. Mais à fond, parce que c'était un énorme voyage, quoi. Bah, l'itinérance, c'est clair que ça prend énormément de temps Ça prend parce que beaucoup de justement, temps. ils bougent à chaque fois. Alors en Australie, c'est quand même... Ah, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais Ouais. est-ce que c'est aussi le pays de la van life, la Nouvelle-Zélande, autant? Ouais, c'est aussi la c'est vraiment aussi le pays de la van life. Après, là, eux, ils avaient un gros camping-car, donc en plus, il fallait prendre en compte les routes, pour voir si c'est accessible. Donc, si tu veux, c'était beaucoup, beaucoup de paramètres, mais je me suis dit que je pouvais pas avoir pire, on va dire, comme premier client, et que du coup, bah, après, j'étais rodée, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, donc là, tu as lancé donc, ton premier client test en novembre. Ça. Ça t'a conforté dans ton choix de Complètement. quitter. Oui. C'est-à-dire que je pense que tout freelance vit ça, c'est-à-dire dès qu'on a des clients, on est trop content, on se dit ça y est, c'est parti et tout, et dès qu'il n'y en a plus, on se dit oh mon Dieu, il faut que je reprenne un travail salarié. Et en fait, c'est un petit peu le système, enfin, je pense que c'est la vie des freelances, mais surtout au début, on stresse. Mais moi, ça m'a vraiment conforté dans le fait que j'aimais faire ça et que c'est trop satisfaisant de voir ses clients partir, de se dire que c'est nous qui avons tout organisé, enfin, je trouve ça trop chouette. Du coup, c'est quoi qui te plaît le plus bah, jusqu'à présent? Parce que bon, là, c'est novembre, on est début avril, ça fait en fait, bon, allez, 4 mois d'activité. Moi, ouais. Bah, pour le moment, moi, ce que j'aime, c'est montrer aux gens qu'on peut voyager un petit peu différemment. J'adore l'échange que j'ai avec mes clients. Jusqu'à présent, j'ai eu des clients géniaux. Et vraiment, le fait de. Souvent, ils me donnent carte blanche. Donc, le fait de pouvoir leur conseiller vraiment des adresses que j'estime éco-responsables ou engagées, ça, c'est trop chouette. Et après, sur d'autres destinations comme là, l'Ouzbékistan que je viens de faire. C'est génial parce que même si c'est le casse-tête parce que je connais pas la destination, etc., j'apprends énormément de choses en fait. C'est un métier, je trouve, on s'enrichit tellement, quoi. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Ouais. Justement, au niveau des destinations que que là, tu as choisi de conseiller, en tout cas d'accompagner sur les projets de voyage, est-ce que c'est des destinations? Parce que ça, c'est une question qu'on pose souvent. Et est-ce Oui, qu'il faut on avait connaître la fait. destination dans laquelle les Alors. clients souhaitent partir? C'est quoi, toi, ta position, ton avis là-dessus et comment tu t'y es pris? Bah, alors, moi, pour l'instant, je fais toutes les destinations qu'on me demande parce que mon positionnement, il est déjà en slow tourisme. Donc, souvent, on dit soit on se positionne sur des destinations, soit on se positionne sur un type de client, enfin, sur un segment type, soit on fait les deux en même temps, mais du coup, on restera encore plus. Pour l'instant, j'ai décidé de faire toutes les destinations. Autant dire qu'à terme, je vais arrêter de faire ça, je pense, parce que c'est beaucoup trop de temps. Là, l'Ouzbékistan, j'ai adoré le faire, mais à la fin, franchement, ça me faisait vriller parce que c'est un pays qui n'est pas encore très développé touristiquement. Et en fait, vaut mieux passer par des agences locales, clairement, que par un travel planner pour ce type de voyage. Donc, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vrai qu'à terme, je pense que je vais faire les destinations où j'ai vécu et où j'ai voyagé. Pour l'instant, sur mon site, je les ai mises, mais ce n'est pas encore tout à fait à jour. Mais c'est vrai que moi, j'ai à peu près une quinzaine de destinations, donc ça fait déjà pas mal. Et souvent, c'est les destinations qui sont demandées par les gens, donc, comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, enfin, Thaïlande, Cambodge, le Mexique, le Canada, les États-Unis et l'Europe, c'est des destinations qui sont demandées, quoi. Donc, Et du coup, tu as choisi ces destinations parce que c'est des stations que tu connais? ouais, c'est ça. C'est des destinations soit dans lesquelles j'ai vécu, donc comme le Canada, j'ai déjà vécu là-bas plus d'un an, la Nouvelle-Zélande,
enfin voilà, ou des pays où je suis restée longtemps. Le Maroc, le Mexique, c'était pas juste des petits voyages d'une semaine ou deux en mode vacances. C'était vraiment, je suis restée plus d'un mois. Et donc, c'est des pays que je connais bien. L'Afrique du Sud, j'y suis restée 2 mois. Donc, ça, c'est des destinations que je propose aussi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a pour toi comme, en fait, peut-être difficulté à organiser un voyage dans une destination que tu ne connais pas? Ben, je pense que quand on ne connaît pas la destination, après, je pense que ça dépend des travel planners. J'ai vu comment certaines travel planners travaillent et comment moi je le fais. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je m'imprègne de la destination pour vraiment leur trouver les petites adresses. Et Ok. si on veut sortir des sentiers battus, il faut forcément se renseigner à fond sur la destination. Et quand on ne connaît pas la destination, eh ben, ça veut dire qu'il faut passer énormément de temps à lire plein de choses, en fait, que ça soit de l'histoire, la culture, l'économie. Et en fait, tout ça, bah, ça prend vachement de temps, quoi. Et je pourrais très bien aller aussi sur Google, itinéraire type, et leur ressortir le même. Et mais en fait, c'est pas ça l'intérêt, quoi. Donc, C'est sûr, ouais. donc, Un peu limite quand même. Alors moi, ne faites le, pas voilà, ça, c'est... voilà. Ouais. Si vous voulez être un mauvais travel planner, faites ça sinon. Faites ça, ouais, faites absolument pas ça, quoi. En plus, le client, il va le voir. Même si à la fin, votre itinéraire va forcément se rapprocher de ce que tout le monde propose parce qu'il y a forcément des immanquables que les clients veulent faire. Mais ce qui est important, c'est de leur montrer aussi, bah voilà, j'ai cherché ça, bah attention, dans telle ville, il n'y aura que des resorts, il n'y aura pas de petit hébergement. Il faut leur montrer en fait que vous cherchez et sur une destination que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Tu connais pas forcément les particularités. Ouais. En Europe, je pense que ça va. Hors Europe, ça devient vraiment complexe. Ouais, c'est sûr. Donc, Et du coup, au niveau des clients que tu Ouais. as réussi à... Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Est-ce qu'ils sont devenus toi? Comment ils t'ont connu? Alors, mon premier client, donc, c'était bah, mon médecin. Donc, voilà. Mais ça, franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est les commerçants qui vous entourent, c'est-à-dire que votre coiffeur, le supermarché, enfin, tout ça, c'est des clients potentiels qu'il ne faut pas négliger. Et après, ben, j'ai eu la chance d'être passée, j'ai été publiée 2 fois dans la presse locale, dans des journaux qui ont quand même une grosse ampleur, comme le Ouest France et le Télégramme en Bretagne. Et du coup, ils m'ont publié gratuitement et ça m'a apporté tous mes clients jusqu'à présent. C'est ce qui me rapporte encore aujourd'hui des appels clients. Et grâce en fait à ces articles-là, vu qu'ils ont fait des articles avec mon lien de site internet, ça m'a permis de remonter dans les recherches internet. Et aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui me trouvent en fait d'eux-mêmes sur internet. Donc ça, c'est hyper satisfaisant parce que c'est compliqué d'être bien référencé. C'est clair. Et surtout que je n'ai pas fait un travail dessus pour l'instant. Enfin, mes articles WordPress, ils sont référencés, mais je n'ai pas encore de blog, etc. Donc, pour moi, le référencement, il n'est pas encore en place. Mais du coup, voilà comment j'ai mes clients pour le moment. Voilà. C'est vrai que le site internet, c'est une question que se posent beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Alors, en tant que travel planner, mais en fait, dans n'importe quel métier, on entend un peu tout et n'importe quoi parfois sur bah oui, le site internet, le blog, c'est mort. Ouais. J'en parle dans la formation parce que bon, moi, j'ai un site internet avec Apitrek, c'est pas mon Ouais. premier. Et du coup, je vois que bon, en fait, quasiment toutes mes demandes de clients, que ce soit maintenant en tant que travel planner et avant quand j'avais l'agence, ben, en fait, ça vient par le web. Ben ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est Instagram, ça va aider sur ben, partager ton image de marque, ça va t'attirer peut-être voilà, quelques personnes intéressées par le voyage, mais c'est clair que le site, il ne faut pas le sous-estimer, mais comme tu l'as dit, en fait, ça Ouais. et Bah, ouais. c'est-à-dire que le site, en fait, avant de me lancer, j'avais fait une formation pour apprendre à se lancer, justement. Mais bon, au final, j'ai fait cette formation, c'était pas le bon moment dans ma vie. Mais eux, ils conseillaient de pas faire de site internet Ouais. parce que c'est vrai que c'est un coût, sauf si vous vous débrouillez bien et que vous le faites tout seul sur WordPress, mais en général, c'est un peu casse-tête. Et moi, j'ai fait ce choix d'investir financièrement dans un site. Parce que je trouve que travel planner, c'est déjà un métier qui n'est pas connu. Les gens, ils ont du mal déjà à comprendre ce que c'est. Donc, c'est important d'avoir un lieu, enfin, une page où ils peuvent vraiment lire le fonctionnement, vraiment s'imprégner des valeurs aussi de chaque travel planner. Chaque travel planner se présente différemment. Et du coup, moi, pour l'instant, le site, ça m'a été super utile parce que j'ai une page aussi pour que les gens prennent des rendez-vous téléphoniques. Et ça, franchement, c'est super pratique.
C'est clair, et ça donne de la crédibilité. Enfin, Complètement. j'avais vu justement un chiffre qui était quand même assez parlant. Je crois que c'était peut-être 70 ou 75% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête disaient qu'en fait, elles avaient plus confiance dans un professionnel qui avait un site web que quelqu'un qui n'en avait pas, quoi. Donc, Bah, ouais. complètement. En Ouais. plus, sur un site, si c'est fait, après, il ne faut pas le faire n'importe quelle façon. C'est-à-dire, moi, mon site, il est vraiment, il y a les mentions légales, les CGV, enfin, il y a plein de petites choses où on n'est pas forcément au courant que c'est obligatoire légalement, en fait. Ouais. Et si tu veux, moi, mon site, quand il est sorti, vu que je suis passée par une graphiste, j'ai fait une formation avec une amie qui est graphiste en éco-conception, mon site, eh ben, l'identité visuelle, elle correspondait à tout mon univers. Donc, ça montre un professionnalisme et ça rassure les clients énormément, quoi. Donc, c'est sûr. En parlant de mention légale, Oui. alors il y avait un sujet quand même que j'avais envie qu'on puisse aborder. Et ce qui est, alors, le mot marrant n'est pas approprié à la situation, mais en fait, dans la Oui. formation que j'ai construite autour du métier de travel planner, il y a une avocate, qui est une avocate spécialisée en droit du tourisme, qui intervient. Donc, je l'ai contactée pour qu'elle puisse donner des cours, justement, pour parler de la réglementation. Et en fait, quand on a échangé ensemble, c'était en février, elle me dit, bah, tiens, justement, j'ai reçu un mail ou un courrier d'une travel planner qui a eu une dénonciation par une agence de voyage, et voilà, faut que je me mette sur ce dossier. Bon, évidemment, en tant qu'avocate, elle m'a pas dit qui c'était, quoi. Normal. Et du coup, quand on a échangé ensemble pour préparer l'interview, tu m'as dit, bah, en fait, ouais, j'ai eu un problème avec une agence. Donc, tu vois, c'est marrant, le monde est petit. Ben oui, c'est ça. Tu peux nous parler, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, parce que tu t'es lancée, en fait, en novembre, c'est quand même vachement récent, et il y a Ouais. déjà des agences qui t'ont embêté. Bah alors, donc, pour remettre dans le contexte, sur mon site internet, j'ai une page qui correspond à mon activité de travel planner, donc vraiment l'organisation du voyage. J'ai une page pour le coaching en départ en césure pour les jeunes et j'ai une page sur l'éco-volontariat en Afrique du Sud. Cet éco-volontariat, c'est un programme que j'ai testé moi-même en mai dernier. C'est un programme super éthique, engagé, mais c'est une toute petite association qui n'a pas beaucoup de visibilité. Et ils m'avaient proposé de faire comme un partenariat avec eux quand j'étais là-bas parce que ben, moi, je trouvais que c'était un programme incroyable et que je voulais le mettre en valeur. Donc, sur mon site internet, je prépare ma page, trop jolie, et je présente tout le programme. Et c'est vrai que le programme ressemblait à une offre packagée. Donc, ça, il faut faire attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup, c'est vrai que je ne marquais pas le nom de l'association. Et du coup, à la suite de ça, je reçois un courrier de. En fait, c'est le syndic des agences de voyage. Les EDV, là, les Ouais, entreprises c'est de ça. voyage. Qui m'écrivent. Donc, moi, je tombe des nues en recevant ça, quoi. Qui me dit, voilà, votre activité est illégale, blablabla. Et là, en fait, ils me mettent en gras que c'est la page éco-volontariat en Afrique du Sud. Donc, au début, je flippe. Après, je me dis, bon, ça va, c'est que cette partie-là qui les dérange. Donc, je contacte cette avocate qui fait partie de la formation de Ludivine là, et qui me dit qu'effectivement, légalement, ça pose problème parce que ben, voilà, cette page n'indique pas le nom de l'association et j'ai dû. Enfin, comment dire ça? En fait, légalement, c'est impossible de faire de la pub pour une association qui n'a pas une assurance française, les fonds ne sont pas sécurisés. Enfin, bref, le syndicat commençait à me prendre la tête et ils m'ont demandé de supprimer la page. Ouais. Donc moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux changer les choses pour toujours mettre en valeur ce programme? J'ai décidé de garder la page et au lieu de présenter le programme comme inscrivez-vous, c'est génial, j'ai fait un retour d'expérience, c'est-à-dire j'ai raconté tout mon mois dans le volontariat et j'ai marqué contactez-moi si vous voulez plus d'infos. Mais tout ça pour dire que, y a un peu une chasse à la sorcière sur les travel planners du côté des agences de voyage. Et c'est vrai que moi, ça m'est tombé dessus très tôt. Mais en fait, ça m'est tombé dessus parce que les articles dans le journal qui sont parus en mois de janvier ont fait énormément de pubs. Il y a eu des centaines et des centaines de vues sur LinkedIn, dans l'Ouest France. J'ai eu beaucoup, beaucoup de passages sur mon site internet. Et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Au final, j'ai eu de la chance, ça s'est bien fini. Mais. Ouais, c'était un peu touchy, quoi. Ouais, j'imagine, ça doit être un peu stressant de recevoir un courrier Ouais. d'avocat. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, pas pour le même,
Pas pour la même histoire, enfin, peu importe, mais ouais, déjà, ça fait chier. Ça fait chier, ouais, c'est vraiment ça. Ben, en fait, c'est surtout que moi, j'ai fait du droit du tourisme, mais j'estime que mon activité, elle est hyper dans les clous. Il y a plein de travel planners qui se lancent sur Instagram qui n'ont même pas de statut auto-entrepreneur. Moi, j'ai fait tout dans les règles pour le coup. Je déclare tout à l'URSSAF. Hein. Et là, quand on reçoit ça, c'est sûr que c'est vraiment embêtant. Donc, c'est juste que voilà, faut faire attention si vous voulez vous lancer à pas proposer d'offres packagées. Même si vous encaissez pas la somme pour le voyage, faut pas que vous donniez l'impression de vendre un package. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste l'apparence en fait qui C'est ça. compte. En fait, c'est ça. En fait, il ne faut pas. C'est à partir du moment où tu offres à la vente un voyage. Donc un voyage, c'est un assemblage de deux prestations minimum qui dépasse 24 heures. Et ben là, en fait, tu es obligé de t'immatriculer. Et du coup, alors moi, tu vois, ça m'arrive de créer des voyages packagés. Mais pour le coup, comme j'ai plus mon statut d'agent de voyage, j'ai décidé de plus l'avoir en octobre dernier, et ben en fait, je collabore avec des agences. Par exemple, j'ai organisé un mountain trip, un séjour à la montagne entre nanas en janvier. C'était clairement marqué sur le site que ben en fait, j'étais en collab avec telle agence, tu vois. Donc là, ça passe. Mais c'est Ouais. sur toi des trucs du style aussi, bah, tu vas créer une page Facebook ou quoi que ce soit, bah, mettre agence de voyage, ça peut porter à confusion. Ouais, faut pas mettre ça, ouais. Et en Franchement. fait, déjà, ça peut porter à confusion. Le client, en fait, peut être un peu trompé, se dire, OK, ben, moi, je pensais que c'était une agence, mais ce n'est pas le cas. Et puis, vis-à-vis de la loi, parce que c'est sûr qu'en tant qu'agence de voyage, ben, en fait, une agence a beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, en fait. Le travel planner a ses avantages, l'agence a les siens, en fait, davantage. C'est deux choses différentes qui répondent à deux besoins différents en termes de voyage, d'accompagnement, etc. Mais du coup, c'est sûr qu'en étant agence, ben, il y a une responsabilité qui est lourde. Donc, on peut comprendre aussi, c'est un petit peu comme les taxis Uber, quoi, en fait. Les taxis au pays, l'essence, c'est cher. Donc, du coup, tant mieux que pour toi, ça se soit bien terminé. Ouais, c'est ça. Et c'est important, du coup, pendant le live, qu'on parle un petit peu de ça, que tu nous racontes, bon, voilà, à cœur ouvert, bah, cette mésaventure, parce qu'effectivement, le métier de travel planner, il est relativement récent. Il y a des personnes qui se lancent un petit peu comme, voilà, on aime voyager, et du coup, bah, en fait, je vais faire la même chose que pour moi, c'est-à-dire bah, proposer des voyages sans forcément avoir connaissance du secteur du tourisme, de la réglementation et plein d'autres choses. Du coup, c'est cool que tu nous en parles. Merci, Agathe. Et je suis De contente que ce soit bien fini, parce que les rien. Oui. ouvriers. Bah, de toute façon, légalement, c'est ce que me disait l'avocate, tant qu'on fait les choses dans les clous et dans les règles de l'art, ils peuvent absolument rien faire parce que eux, c'est pas l'État, c'est-à-dire eux signalent ensuite à l'État, enfin pour les fraudes fiscales, en gros, le cas des travel planners qui font pas les choses correctement, mais bon, moi, j'ai de la chance, ça s'est bien terminé. Après, voilà, il faut faire attention si vous lancez votre activité de faire les choses correctement, quoi. Ouais, faire attention à tout ça. Yes, bah écoute, merci Agathe. De Du coup, bah, on va pouvoir ouvrir la foire aux questions, j'avais envie de dire. Si vous avez des questions pour Agathe, sur le métier de travel planner, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est, je crois qu'il y a moyen de lever la main, apparemment, pour poser une question. Si vous voyez ça, n'hésitez pas à le faire. Et à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, si bah, vous êtes OK, c'est de nous montrer votre doux visage, de dévoiler votre caméra et votre micro de façon à ce qu'on puisse bah, profiter de votre question. J'ai mis le chat aussi s'il y en a qui veulent poser des Yes. questions sur le Ah côté. ouais, cool. Comment on fait pour mettre le chat? Enfin, moi, T'appuies sur discussion, ça va s'ouvrir sur le côté. c'est plus professionnel que moi sur le Zoom. C'est le Covid, ça, je suis d'accord. Ah ouais, mais moi j'ai pris Zoom il n'y a pas très longtemps justement pour la formation, pour les lives, tout ça, parce que j'avais des bugs avec YouTube. Et du coup. Alors du coup, allez-y, si vous avez des questions, nous sommes toutes oui. C'est le but aussi de pouvoir participer en live avec d'autres professionnels. Si vous êtes plus à l'aise sur le chat. Ouais, les personnes qui sont là, c'est des personnes qui veulent se lancer, c'est ça? Pas forcément, ouais, c'est des personnes du coup qui sont inscrites à ma base mail qui s'intéressent au métier. Donc, Ok. je vois qu'il y a des filles de la formation, Agathe, Axel, je crois que j'ai vu Gaëlle aussi. Donc, salut les filles. Bon, Bon, bah, pas de questions. bah, pas de questions, moi j'ai envie de vous dire, on va aller se prendre un petit café.
C'est cool. Non, mais pas de questions, ça veut dire que tout a été clair. Mais oui, et puis s'il y a des questions qui viennent, qu'elles n'hésitent pas à m'écrire aussi via Instagram ou autre, hein, si elles veulent. Hein. Complètement, sachant que cette vidéo va être mise sur YouTube. Donc si vous voyez cette vidéo donc sur YouTube, ça veut dire que vous avez possibilité aussi de mettre un commentaire si vous avez besoin. Laissez un commentaire. Vous pouvez aussi, du coup, bien sûr, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si des questions pour Agathe, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc c'est Travel Abroad. Et pour ma part, ça va être Apitrek ou devenir Travel Planner pour les Mais attends, il y a une question. Airbnb. Légalement, il n'y a que les packagings à faire attention. Bah, il n'y a pas que les packagings, c'est-à-dire que légalement, tu lances une activité. Donc, il faut que tu sois dans les clous de A à Z. C'est-à-dire, c'est pas juste je décide de faire des voyages pour faire des voyages parce que je suis passionnée. C'est un vrai métier, donc ça veut dire que c'est encadré. Donc, il faut que tu déclares ton statut d'auto-entrepreneur, si c'est ce statut que tu choisis, mais en général, globalement, c'est ce statut-là avec lequel tu vas commencer. Donc, il faut que tu te déclares à l'URSSAF. Et puis, ensuite, en termes de législation sur l'activité, oui, c'est les packagings auxquels il faut faire attention, mais il faut que tu aies des CGV qui soient mis en place. C'est hyper important. Si tu ne sais pas les faire légalement avec les articles de loi toi-même, bah, fais appel à une avocate qui est spécialisée, hein, comme je ne sais pas si Chloé le fait, Oui, Divine. Chloé Raisin le propose, oui. Mais voilà, il faut absolument que tu aies des CGV et des mentions légales sur ton site internet. C'est obligatoire. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est les trois choses qui sont à pas négliger. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, Ludivine, mais. Bah, complètement, ça c'est vraiment les choses importantes. Après, sur le site internet, si vous captez des mails, il y a aussi tout ce qui est RGPD. Enfin, il y a Oui, quand c'est ça. même un ensemble de... En fait, disons qu'effectivement, sur l'exercice du métier même, il y a le fait que c'est interdit de packager, mais pas que. Il y a plein de choses qu'en fait, on ne peut pas faire en tant que travel planner, notamment bah, porter assistance aux clients quand ils sont sur destination, etc. Donc là, c'est tous des points justement qui sont abordés bah, pendant la formation. L'idée en fait de cette formation, c'est vraiment de pouvoir vous donner une méthode efficace qui puisse bah, éviter d'avoir des problèmes, mais aussi qui vous permet de lancer bah, sereinement votre activité pour qu'elle soit durable. Le tourisme durable, c'est important, mais l'activité durable également, parce qu'on s'investit. C'est important. Tout doit être durable. Donc, Alors, oui, cette demande. comment Parce que. avez-vous fixé vos prix? Ouais. Alors, moi, mes prix. Ah, ouais, ça, c'est un sujet aussi. Souvent, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors, c'est important de faire une étude de marché, hein, bien sûr, pour comparer et puis aussi voir quel travel planner est derrière quel prix. Parce qu'en fait, il y a de tout maintenant dans le milieu des travel planners. Ouais. Et il y en a honnêtement qui mettent des prix, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec les prix qu'ils mettent. Il ne faut pas oublier que vous allez être auto-entrepreneur, il y a l'URSSAF qui va tomber chaque mois. Et c'est, bah, sauf si, enfin, vous allez avoir l'ACRE au début si vous faites les choses correctement, mais après, c'est quand même quasiment 22% par mois, donc, c'est, enfin, de vos revenus, donc c'est quand même pas à négliger. Moi, mes prix, j'ai décidé de les fixer à la semaine, donc c'est-à-dire. J'ai un tarif une semaine, j'ai mis 300 euros, 2 semaines 500, 3 semaines 750. Et après, si jamais c'est 10 jours, ben, j'ajuste le prix au prorata du nombre de jours. Ouais. J'ai choisi ça parce que moi, je trouve que le tarif à la journée, ça parle pas forcément. Enfin, quand j'ai fait une étude de marché, je trouvais que ça parlait pas aux gens de forcément mettre un tarif à la journée parce que souvent, les gens, eh ben, ils se disent, oh là là, ça paraît. Soit ça va leur paraître beau, enfin, ils n'arrivent pas à calculer. Enfin, moi, je trouve qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça correspondait bien à ce que j'avais envie que ça soit. C'est-à-dire, c'est clair, c'est transparent. Et oui, ça peut paraître beaucoup de voir 750 euros pour 3 semaines, mais si vous faites bien le travail de discussion avec votre client et de lui expliquer en fait tout ce que ça inclut, je vous promets que quand il va aller voir une agence de voyage, les 750 euros, ils sont largement inclus dans la prestation de l'agence. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et après, vous pouvez très bien faire à la journée. J'ai parlé à des travel planners qui sont revenus justement au tarif journalier parce que, ils préféraient faire ça, parce qu'ils ont différentes offres, une offre premium, une offre classique, et du coup, ils font un tarif journalier différent. C'est vraiment à vous de voir. Mais c'est important de fixer ces prix correctement, c'est-à-dire que un tarif, vous pourrez toujours l'augmenter. C'est difficile de le baisser en termes de marketing, ça ne le fait pas trop, honnêtement. Enfin, moi, je trouve que ça ne le fait pas trop. Après, voilà, il ne faut pas que vous travailliez gratuitement, quoi. Un voyage, ça prend du temps à organiser, surtout au lancement.
Je pense que moi, je suis encore au lancement, je prends encore trop de temps à organiser mes voyages. Mais vous pouvez pas faire. Enfin, moi, je vois des travel planners qui se font facturer 150 euros pour une semaine, 2 semaines de voyage. Je ne sais pas comment elles font. Parce que ça veut dire que c'est 150 euros moins l'URSSAF. Donc, en fait, elles gagnent un tout petit peu plus que 100 euros. Et donc, ça ne vaut pas le coup. Donc, il faut vraiment Ah que. ouais. Ouais. Et Et vous dans les prix, connaissez. c'est important de savoir si vous imprimez le carnet de voyage, par exemple. Moi, je sais que je l'imprime, ça a des frais, enfin, ça a un coût. Ça a un coût d'impression, ça a un coût d'envoi. Donc, je l'ai inclus, en fait, dans mon offre. Et lorsque les gens me contactent et qu'ils trouvent que c'est trop cher, bah, du coup, je leur propose de ne pas l'imprimer et puis je réduis le prix, quoi. Parce que du coup, le coût, je ne sais plus si c'est à toi que j'avais posé la question sur le. Parce que ça te Le coûte. coût du carnet, ouais, alors le coût du carnet, j'ai vraiment galérer à trouver un imprimeur déjà qui puisse imprimer à l'unité, parce que là, il y en a beaucoup qui veulent imprimer en fait par 100. Je voulais un imprimeur éco-responsable, j'ai vite mis un trait là-dessus parce que c'est pas possible en fait, ils le font pas à l'unité, donc j'ai choisi un imprimeur qui utilise du papier français. C'est mieux que rien déjà, Ouais. globalement, ils le font à peu près tous, hein. Et moi, le coût, alors en général, mes carnets, ils font une bonne trentaine de pages. Hein. Enfin, je compte pages, hein, pas... enfin, ça fait environ 16 doubles pages. Et ça coûte environ 18 euros l'impression. Donc, moi, Ah ça, je l'ai ouais. inclus. J'ai trouvé une offre vraiment pas chère, hein, avec mon Ouais, c'est imprimeur. clair. C'est bien parce que j'avais vu des prix un peu, tu vois, plus élevés, genre 30 à 50 euros. J'étais là, ouais, mais la Oui, personne. moi, on m'a fait des devis à 50, à 70 euros. En plus, je ne voulais pas un format A4, je voulais un format adapté à ce que je voulais, donc ça coûtait plus cher. Eux, ils ont accepté de me le faire sans souci. Et voilà, après, ça, c'est à inclure dans les frais. Enfin, il faut augmenter vos prix si vous faites ça, quoi. Ouais. Bah, c'est clair que le calcul du prix, en fait, il a envisagé à plein de niveaux. Déjà sur sa propre activité, sur ce qu'on a envie de se rémunérer, sur le temps qu'on va y passer. Et puis ça va dépendre aussi de votre client type, en fait. Parce que Ouais. le prix, c'est aussi l'un des aspects qui fait qu'une personne va réserver ou pas votre service de travel planner. Si par exemple, vous avez un positionnement qui est haut de gamme et que vous avez un prix qui est trop bas, la personne va se dire, ouais, enfin bon, attends, c'est pas assez cher, il y a Anguille sous roche. J'ai vu une nana, alors, je ne vais pas dire le nom parce que ce n'est pas l'objectif, mais qui propose ses services pour 20 balles. Enfin, Ouais, je mais pense j'en qu'elle ne ai le perd plus. pas. Enfin, honnêtement, je ne vois pas. Et je pense que les travel planners, les personnes qui se lancent et qui ont des tarifs trop bas, soit elles ne déclarent pas, bah soit elles ont un job à côté. Donc, du coup, bah, c'est de l'argent de poche. Mais on ne peut pas envisager une création d'entreprise de façon durable. Bah, c'est une entreprise qu'on crée, même si c'est le micro, bah, c'est une entreprise. Bah, du coup, il faut avoir des prix qui soient adaptés, en fait, parce que bon, il y a le temps que tu vas passer, mais il y a aussi les heures que tu vas passer à communiquer, le temps que tu vas passer en congé quand tu veux te partir en vacances, être tranquille, couper ton téléphone, bah, il faut l'envisager aussi. Et en fait, quand tu factures 150 euros pour 15 heures de travail, bah, franchement, autant faire de l'humanitaire, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et puis Voilà. surtout, moi, je trouve que de facturer plus parfois, bah, moi, je prends vraiment le temps d'aboutir le voyage pour mon client, quoi. C'est-à-dire que oui, je passe du temps. Je pense que je passe plus de temps qu'une travel planner qui facture moins parce que j'estime que mon client me paye plus cher et donc que je dois lui fournir quelque chose de top. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment votre positionnement. Il faut voir si vous voulez faire, si c'est votre clientèle, c'est des gens qui partent une semaine avec un seul hébergement. Voilà, vous pouvez adapter un petit peu moins cher. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de road trip. Ça demande beaucoup de travail. Je ne vais pas baisser mes prix. Je les ai même augmentés après une semaine d'activité parce que j'ai vite vu tous les gens freelance autour de moi m'ont dit, mais tu peux pas vivre comme ça. En fait, ils me disaient que la base d'un freelance, normalement, c'est 200 euros à la journée. Les tarifs des freelances, quand on va sur les plateformes, etc., pour embaucher un freelance à la journée, c'est 200 euros parce que le freelance, il va payer l'URSSAF derrière. Donc, imaginez un voyage de road trip de 3 semaines, ça prend plusieurs jours à organiser. Donc, voilà, Ouais. il faut que vous adaptiez votre offre. Bah, c'est Et... ça, et sachant que sur le freelance, on n'est pas sur le même métier non plus, parce qu'un freelance, c'est quelqu'un qui va proposer ses services souvent sur des missions longues. Par exemple, tu es freelance en tant que community manager. Bah, en fait, moi, j'en avais embauché une pour l'agence. Enfin, embauché une en freelance, bah, en fait, c'était un contrat durable. Enfin, tu vois, c'était sur plusieurs mois. Donc, encore, tu ne peux même pas facturer et te dire, tu vois, 200 euros la journée. Bon, j'ai fait le calcul, ça fait 28 euros l'heure. Ben en fait, ça sous-entend que du coup, tu travailles tous les jours, tu vois, du mois pour avoir, ou en tout cas sur une grosse durée. Donc, c'est vrai que le prix,
Et comme tu dis, c'est bien parce que tu as pu ajuster à un moment donné, ça c'est possible. Parfois, quand on se lance, en fait, j'ai remarqué avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est en fait, on veut le truc parfait direct, la bonne com, le bon logo, les bonnes couleurs. Non, n'existe pas. Ouais, non, on change, tu vois. Moi, d'ailleurs, regarde le podcast Nouvelles Impulsions, là, je vais changer les couleurs parce que, bon, bref. Et pourtant, j'y avais réfléchi, mais c'est pas grave, en fait, si on change 3 mois après, en fait, personne ne vous dira, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Enfin, en fait, c'est pas Ouais, l'important, c'est le positionnement, le message et ce que vous faites comme qualité de travail. c'est vraiment ça. Et puis, il ne faut pas se dire, enfin, il faut comparer, je pense, avec les autres, mais il faut vous dire aussi qu'est-ce que vous voulez par mois aussi. Enfin, en fait, il y a beaucoup de freelance autour de moi qui sont pas travel planner, qui me disent quel est ton objectif en fait mensuel. Et ensuite, tu adaptes aussi avec ça. Bon, forcément, si tu veux gagner 5 000 euros par mois, peut-être travel planner au début, ça va pas trop être le métier, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ouais, ça c'est. Enfin, faut vraiment faire un bon positionnement. Il faut bien réfléchir avant de se lancer. Et puis aussi, il faut se dire que vos carnets de voyage au début, bah, vous allez prendre du temps à les faire sur les destinations. Mais si oui, si tu te spécialises sur, je sais pas, 5 destinations, eh ben, et c'est des destinations qui te plaisent, qui sont intéressantes pour les gens. Et bah, au début, ça va te prendre du temps, mais après, ça va être de l'argent de poche parce que tes carnets, tu vas repersonnaliser, mais ça sera beaucoup plus simple. Donc, ce sera beaucoup plus facile de te faire un salaire par la suite, quoi. Puis tu peux réutiliser aussi les carnets de voyage que tu as déjà Ouais, mis sur une destination. Donc en fait, c'est ça de aussi. toute façon, ce qui change souvent, c'est les hébergements parce qu'ils sont jamais disponibles forcément pour d'autres dates, mais. Ça. Après, les infos sur les villes, enfin, moi je vois le Canada, je ne vais pas réécrire l'histoire de Montréal d'une autre façon. C'est la même, elle n'a pas changé. Les monuments, ils sont toujours là. Hein, donc... Il Carrément. y a Véronique qui a posé une question. Yes. Que pensez-vous des organismes qui mettent en relation les voyageurs et les travel planners? Tu À penses quel à organisme? qui? Ouais. Sais pas si elle est encore là, Véronique. Non, j'ai pas accès à tout le... Si elle est encore là. Elle est encore là, tu vois, tu le vois. Bah, en tout cas, elle est toujours connectée. Bah ouais, il faudrait que tu me dises à quel organisme tu penses. Mais après, C'est il y moi, a la question. à part... Ah, il y a un nouveau message. Désolée, ma Ah. caméra ne fonctionne pas. Du coup, à qui tu penses comme organisme, Véronique, sur ta question Pense qu'elle pense peut-être il y a des plateformes où tu peux acheter un freelance. Enfin, tu peux acheter, tu peux. Ah oui, je vois. Demande un travel planner. Oui, tu peux donner le nom. Oui, Enfin, je bien pense. sûr. Oh, sens-toi libre. Ah, Ah, bien sûr. Je Vialala. pensais à Vialala, mais je me suis Ouais, peut-être. moi aussi, je me suis dit, elle pense à Vialala. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi, honnêtement, Vialala, c'est Ludivine qui m'en a parlé il y a quelques jours. Les plateformes, je les ai découvertes il y a bien longtemps parce que je voulais me lancer il y a 8 ans en tant que travel planner et il y en avait peut-être deux ou trois sur le marché vraiment déconnus. Et j'avais découvert une plateforme qui commençait à faire ça. Je ne m'y suis pas penchée, moi, personnellement, pour le moment, parce que j'avais vu que le tarif était extrêmement bas et que c'était vraiment pour moi, à l'époque, de la main-d'œuvre gratos, quoi, limite. Mais je pense que Vialala, c'est une bonne plateforme désormais. Ouais, en fait, c'est pas le même. Alors déjà, à la base, Vialala, alors si ça t'intéresse, Véronique, j'ai fait un live avec Xavier, le fondateur de Vialala. Il est dispo sur ma chaîne YouTube, si tu veux vraiment avoir tout l'historique, etc. Mais globalement, en fait, Vialala, à la base, c'est plutôt un service qui permet aux travel planners de proposer des voyages packagés à leurs clients. Donc déjà, ça permet de venir packager plusieurs offres et d'avoir un tarif unique, et en plus d'avoir un service d'assistance d'agent. C'est-à-dire que c'est l'équipe admin de Vialala qui va gérer les réservations et les paiements du coup auprès des différents prestataires. Donc c'est un service plutôt premium que tu peux offrir à tes clients. Maintenant, donc là, ils ont sorti une nouvelle version de leur site internet et du coup, grâce à cette version, les travel planners peuvent plus facilement mettre comment dire, des annonces de voyage, en fait, comme des retours d'expérience, comme ce que tu as pu faire, Agathe. Et du coup, tu peux du coup avoir des contacts via ce biais, en fait. Donc, c'est bien parce que ça peut apporter une source de trafic complémentaire, mais il ne faut pas compter uniquement par ce biais, en fait, puisque ça ne sera pas suffisant, à mon sens. Mais ça, c'est valable sur toutes les plateformes.
Qui peuvent exister. Donc, en fait, quand tu crées une activité travel planner, une activité indépendante, quelle qu'elle soit, il va falloir bien réfléchir déjà dans un premier temps quel est ton positionnement, qui est ton client type, sur quel support va ton client type et comment tu vas pouvoir optimiser et trouver les bons canaux de communication pour en fait, maximiser les prises de contact et les ventes, en fait. Donc, oui, via Lala, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet de proposer du packagé, alors qu'en fait, sans avoir à créer d'agence voyage, ça s'entend. Et puis, maintenant, c'est vrai qu'il développe beaucoup la plateforme sur ce côté communication. Donc, moi, je suis présente sur Via Lala, je travaille avec Via Lala. Je suis même référente pour les travel planners chez eux, parce que j'adore le concept, moi, je trouve ça très bien. Et du coup, voilà, si tu es déjà travel planner, je ne sais pas si c'est le cas, bah, n'hésite pas à prendre contact avec, ça sera peut-être pas Xavier, mais n'hésite pas, c'est très cool. Il y a quelqu'un qui a posé une Quatre question. nouveaux messages. Ok, j'irai voir. Attends. Elle voulait savoir si c'est possible de le faire en association. Bah, c'est une bonne question. Le statut travel planner. Alors, l'association, déjà, elle a pour but pas de faire de bénéfices. Enfin, le but d'une association, c'est de rassembler des personnes. Donc, déjà, dans une association, il y a un président et un ou une présidente, un trésorier. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent avec une association. Donc, je vois pas trop l'intérêt de créer une association Ouais. pour devenir travel planner. Je pense que l'association, ça peut être bien si c'est une activité où tu n'as pas envie forcément de te faire des sous, mais je ne sais pas, tu as un coup de cœur pour un pays, tu as découvert une association sur place, genre je sais pas, je pense en Afrique, et que tu as envie de mettre en place une aide pour ramener des touristes dans l'association sur place, mais tu seras juste médiatrice, mais tu peux pas en faire un métier avec un statut Ah ouais, en plus, associatif. c'est limité en termes de rémunération sur l'association. Enfin, ouais, ça a pas vraiment, ouais, je trouve de grand intérêt. J'avais envie de te poser une question, Agathe. Du coup, combien tu as réussi à avoir de clients depuis le début, depuis ton. Oui, alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai eu. Faut que je compte. Attends, Donc, on a j'ai. eu Non, trop ou pas? non, 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 j'en ai pas eu. Mais en fait, j'ai organisé quelques voyages. C'est pas beaucoup. J'ai organisé la Nouvelle-Zélande, les îles Féroé, deux fois le Canada, Ouais. l'Ouzbékistan. Donc, ça fait cinq gros voyages, on va dire. Et en plus de ça, j'ai organisé un tour du monde pour des retraités. Mais c'était juste. L'administratif pour les visas et les billets d'avion. OK. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un guide sur mesure pour des jeunes qui partent en PVT en Australie. Donc là, c'est plus ma partie accompagnement. OK. Donc au total, je pense que j'ai eu un autre client aussi en conseil. Mais globalement, j'ai eu huit clients pour l'instant. Et j'en suis assez satisfaite parce que disons que j'ai eu beaucoup d'appels par contre téléphoniques avec des potentiels clients Ouais. qui veulent organiser des voyages plus tard. J'ai eu des clients, en fait, les voyages se sont annulés pour raisons familiales, mais des gens qui étaient intéressés, j'en ai eu beaucoup. Et donc voilà, donc j'étais assez contente. J'avais un client pour la Scandinavie, mais j'ai fait le choix de passer ce client à une travel planner qui est spécialisée sur la destination scandinave, tout simplement parce qu'il voulait y aller en train. C'était un voyage qui m'aurait fait énormément plaisir de l'organiser. Mais cette fille, elle est spéciale, ça s'appelle l'Élan Blanc. D'ailleurs, c'est génial ce qu'elle fait. Elle est spécialisée sur la Scandinavie en train. Donc, je me suis dit, bon, c'est vraiment mieux pour mes clients qui passent par elle. Mais voilà, donc j'ai eu ouais, sept bons clients de confirmés. Cool. Et voilà, et l'Ouzbékistan, donc ouais, 8. Donc, non, c'est Bah, cool. bravo, c'est bien, Ouais, ça fait beaucoup, tu vois, ça te fait quand même deux clients par mois en moyenne, merci. Ouais, c'est donc ça. c'est trop bien. C'est ça. Et puis, je fais de la sous-traitance pour une travel planner qui, elle, son activité roule déjà bien. Ouais. Et du coup, j'avais travaillé pour elle pour la Laponie. Et là, en fait, je vais continuer à sous-traiter pour elle parce que. Voilà, elle a beaucoup de clients et ça, c'est sûr que financièrement, c'est moins avantageux, mais c'est aussi, ça assure une entrée de clients perpétuelle et Ouais. c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut refuser en début d'activité. Donc, ouais, je suis assez contente. Bah, trop bien. Ouais. Et du coup, on a une question. Alors, attends. Tac, tac, tac. Est-ce difficile de trouver des partenaires et comment fonctionne-t-il généralement?
Les partenaires, officiellement, tu n'as pas le droit de toucher de rétrocommission de tes partenaires. Donc, ça, c'est la base du métier de travel planner. Après, y en a qui le font. Je ne sais pas si tu veux répondre, Ludivine, là-dessus. Bah, après, je ne sais pas si la question, c'est est-ce que c'est difficile de trouver ce qu'on appelle des partenaires, c'est-à-dire des prestataires d'activité ou des partenaires, des hôtels auprès de qui tu vas envoyer des clients. Là, c'est bon, ça peut être un peu similaire, mais quelque peu différent aussi, parce que donc, en tant que travel planner, tu ne peux pas mettre directement en relation tes clients avec un hôtel. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que pour ça, c'est de l'intermédiation. Il faut être agent de voyage. Donc, tu peux proposer différentes possibilités, suggestions, et ensuite, le client va directement réserver auprès de l'hôtel de son choix ou pas, quoi. Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de partenaire? Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Il faut faire attention à la façon dont tu es amené présenter le partenariat, que ce soit pour le client, sur votre site, etc., quoi. Donc, Ouais, après, tu as besoin d'avoir un partenaire exclusif, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire, bon, vous allez aller à Londres, je vous envoie dans tel hôtel. ouais. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir le choix. C'est ça. Après, moi, bizarrement, en contactant là beaucoup d'organismes pour des canoë trips au Canada pour des clients, beaucoup, quand je demande des devis pour mes clients, m'incluent une rétrocommission pour moi, en fait. Parce qu'ils estiment que je leur rapporte de la clientèle. Vu que je suis au début de mon activité, que je n'ai pas envie trop de me compliquer la vie avec des virements internationaux, je n'accepte aucune commission de cette façon. Mais je pense que si ça se fait de cette façon, je pense que c'est acceptable. Enfin, je ne sais pas trop légalement, mais... Bah, ouais, il y a un petit un peu un flou juridique sur ça. Ouais, On c'est ça. parlait avec l'avocate justement dans le cadre de la formation. Il faut faire attention, ça c'est vraiment un choix, c'est un parti à prendre. Est-ce que tu acceptes logiquement? Il n'y a pas trop de problème parce que du coup, il n'y a pas d'intermédiation. C'est un voyage packagé proposé par l'agence et toi tu es apporteur d'affaires, mais il faut faire attention parce que y a des personnes, si elles mettent leur nez dedans, bon, ça peut Ouais, porter à c'est ça. question. Donc Moi, là, il n'y a jusqu'à pas. présent, je n'ai pas fait quoi. Ouais. Je fais pas ça moi pour l'instant. Après, la question, est-ce que c'est difficile de trouver des prestataires? Ben, en fait, c'est le métier de travel planner. Donc, C'est ton métier de. c'est ça le job. En partie. C'est-à-dire, après, je pense qu'il ne faut pas que tu te dises, oh, allez, on part à la guerre, on va trouver des partenaires. Il faut que tu te Ouais. dises, ok, je suis passionnée. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la recherche d'activités ou d'hébergement? Pour Ouais. faire ce métier, je pense qu'il faut vraiment adorer. Dénicher des lieux quoi qui sont atypiques ou qui sont intéressants quoi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est l'une des bases, hein. Créer des voyages, ça fait forcément, ça en fait partie. Alors du coup, il y a My Eleven qui dit, c'est juste que pour organiser des voyages, même en étant une asso, il faut avoir une immatriculation. Ah oui, mais là, c'est deux choses différentes en fait. Alors, il y a d'un côté les voyages organisés en voyage packagé. Oui, c'est clair qu'il faut une assurance, il faut une garantie financière, il faut une immatriculation auprès d'Atout France. Mais conseiller des voyages, donc, en tant que travel planner, on propose un itinéraire de voyage. On n'organise pas de voyage packagé. Donc ça, si jamais c'est un peu flou, n'hésite pas, Mi-11, je ne sais pas ton prénom. C'est Ivana qui a le compte de son. Bah, n'hésite pas à aller, moi il y a une vidéo qui explique bien ça sur ma chaîne YouTube ou sur le blog en fait pour que ce soit bien clair. Mais oui, en tant qu'association, si tu packages, ben ouais, effectivement, il faut une immatriculation. Tac, tac, tac. Et puis au final, on a répondu aux questions de Yuta. J'ai pas trop On a compris en tout répondu à la question, je pense. cas. Ok. Étant donné qu'on n'est pas agence de voyage, si le client ne souhaite pas payer directement via Internet, vous avez une agence de voyage. Hein? Ah, si le client ne veut pas faire sa réservation lui-même, ah ben ça, c'est la base quand tu as ton client au téléphone, avant qu'il te rémunère quoi que ce soit, il faut bien lui expliquer le système de ton activité. C'est-à-dire que, enfin, si je comprends bien ta question, hein, faut pas que tu te fasses rémunérer par ton client. Et qu'après, tu lui expliques que c'est lui qui va faire ses réservations lui-même. Il faut que tu lui expliques lors du premier appel téléphonique avec lui pour bien lui expliquer le concept du métier, quoi. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où en fait le client vous contacte, il n'est pas censé
penser que vous êtes agent de voyage, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans votre communication. Il ne faut pas mettre, par exemple, sur Instagram, agence de voyage, parce que le client, évidemment, il peut confondre. Mais si, en fait, vous avez expliqué sur votre site, comme l'a fait Agathe, sur une page, quels sont mes services, la personne va directement comprendre que, en fait, en faisant appel à vos services, vous allez l'aider à créer son itinéraire de voyage, mais vous n'allez pas réserver à sa place. Ça, il faut que ce soit clair à la base, et si ça ne l'est pas, il faut en parler par téléphone. Moi, j'en parle toujours par téléphone pour Ouais. être sûre que le client ait bien compris. Parce que j'ai encore des clients qui m'appellent et qui pensent que je suis une agence, alors que c'est quand même très, très, très bien expliqué sur mon site. Donc, c'est hyper important de préciser, mais gentiment, quoi, en leur expliquant, ben voilà, vous avez compris le système. Et soit ils vont vous dire, vous pouvez me réexpliquer, soit ils vont dire, oui, on a vu, on réserve nous-mêmes. Moi, je leur réexplique une deuxième fois pour être sûre que c'est clair pour eux, quoi. Ouais, c'est important, ouais, c'est en tant que professionnel, il faut que les choses soient vraiment claires. Dans l'esprit du consommateur, même si c'est marqué sur vos CGV, même si c'est marqué sur votre site, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à lire un peu en diagonale quand on est pressé, surtout quand on a envie de confier l'organisation de son voyage à quelqu'un, c'est qu'on n'a pas trop le time, donc on peut lire en diagonale. Est-ce qu'on travaille avec une agence? Alors moi, pour le moment, je ne travaille pas avec des agences de voyage parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, pour être honnête. Pour celles qui vont se lancer, au début, vous allez être un peu débordé rapidement avec peu de travail. C'est-à-dire que tout pareil, un peu... Enfin, on se fait vite submerger par les choses parce qu'entre la comptabilité, l'organisation des voyages, les réseaux sociaux... C'est vraiment un job, hein. Enfin, vous allez tout faire. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas encore pris le temps de démarcher des agences, mais parce que j'ai eu des clients directement. J'ai eu cette chance-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire, de collaborer avec des agences, hein. C'est vraiment... Yes. Puis sur certains projets, par exemple pour des séjours collectifs, ça peut être intéressant. Enfin, c'est obligatoire. Et puis en plus, c'est bien d'adapter l'agence en fonction du positionnement du séjour. Enfin, du coup, ouais, c'est pas mettre de côté. Merci. Merci. Du coup, on arrive en fin de live. Ça fait 1 heure déjà, mine de rien. Ça Ben passe ouais. vite. Ça Bon, passe vite. ben, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Yes, je pense. Alors attends. Merci. En tout cas, merci d'être venue. Merci du coup à toi aussi, Agathe, d'avoir répondu présente à mon invitation. Avec plaisir. C'est chouette. Et puis, du coup, si jamais vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou à venir soit poser la question à Agathe, soit à venir me poser une question via Instagram, par exemple. On y répondra avec plaisir. Sur ce, les filles qui sont élèves de la formation, je vous souhaite bon cours cet après-midi. Sinon, à tout le monde, bon après-midi. Profitez bien. Merci Laure. Elle nous dit merci pour cet échange enrichissant. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'univers du voyage de façon générale, n'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast Nouvelles Impulsions. Aujourd'hui, il y a un nouvel épisode qui est sorti avec Manon. Alors, elle n'est pas, c'est pas ce qu'on peut appeler proprement parler travel planner. Mais en fait, elle a créé une entreprise qui s'appelle Manostralia. En fait, elle aide les personnes, notamment les étudiants ou même les actifs, en fait, à partir en Australie. Elle peut mettre en relation avec des écoles, tout ça. Enfin, en plus, elle a un diplôme spécifique, parce que c'est un peu un particulier, l'Australie. Mais voilà, il y a un épisode où elle nous parle de son parcours et de son métier. Donc, voilà, et plein d'autres choses. En tout cas, merci Agathe encore une fois. Merci à toutes et à tous. Et puis, bon après-midi, à bientôt. Bon après-midi. Salut!